les païens, alors que dans le pays nous avons des accolades, le Yantipo. Alléluia. Seigneur. Blessed be the name of the Lord. Béni soit son saint nom. Blessed be his holy name. Le jour de la rédemption est là. The day of redemption is here. Est-ce que vous croyez à ça? Do you believe that? Et notre prière ce matin. Our prayer this morning. Que Dieu remplit chacun de nous. That God fill each one of us here with his spirit. Parce qu'il a payé le prix au calvaire. Because he paid the price in Calvary. Vous croyez à ça? Do you believe that? Combien croient que Jésus est mort pour vous? How many believe that Jesus died for them? Il est mort toi, il est mort pour he moi. He died for you and for me. Et il est monté au ciel. He went up in heaven. Et il a pris le livre. And he took the book. Quand il prend le livre, when he takes the book, il est descendu dans Apocalypse 10. He came down in Revelation chapter 10. Pourquoi il est descendu? Why did he come c'est down? Pour notre rédemption. For our redemption. Il est venu nous racheter, he man. Came to redeem us. Et quand il nous rachète, and when he redeems us, il nous remplit de son esprit, he filled us up with de his sa spirit, puissance, and his power, de sa vie, his life, et de sa divinité. And his deity. Oh, donnons des acclamations. Gloire à Dieu, amen. Glory to God. Salut ton frère. Greet your brother. Salut ta soeur. Greet your sister. Dieu te bénisse, frère Daniel. God bless you, pastor. Que Dieu vous bénisse richement. God bless you richly. Ce matin, c'est un privilège que Dieu nous a accordé de revenir ici au tabernacle. This morning, it's a privilege that the Lord has given us to come back in the tabernacle. Après 2 mois d'absence dans after un repos, asseyez-vous. 2 months I was resting, you may be seated. Et je crois que Dieu n'oubliera pas les efforts de chacun. I believe God will not forget the effort of each one. Nous saluons tous les saints d'Amen Tabernacle. We greet all the saints of Amen Tabernacle. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. In the name of the Lord Jesus Christ. Nous vous saluons aussi là-bas à Phoenix Tabernacle. We greet you also there in Phoenix Tabernacle. À Kinshasa, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Kinshasa, in the name of the Lord Jesus. Et tous les frères et sœurs là-bas au Cameroun. Our brothers and sisters in Cameroon. Au Gabon, au Congo Brazzaville. In Gabon, in Congo Brazzaville. Messieurs frères qui se réunissent avec les familles là-bas au Portugal. Precious brother gathering in Portugal. Ceux qui sont en Belgique, en France, partout. Those in Belgium, in France, nos messieurs frères aux États-Unis, au Canada qui ont posé des questions et à Londres. Brothers in Canada that tous ceux qui aiment notre ministère. Those who love my ministry. Et tous nos frères là-bas en Australie aussi. All our brothers in Australia. Nous vous saluons ce matin. We greet you all this morning. Notre auditoire invisible. The invisible auditorium. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Amen. C'est toujours un privilège d'être dans la maison de Dieu. It's always a privilege to be in the house of the Lord. Et de le servir humain. And to serve him. Ce matin, this morning, nous sommes revenus ici pour parler de la part du Seigneur. We came back here to speak from the Lord. Nous étions en train de surveiller comme une sentinelle. We were watching just as a watchman. Ce qui s'est passé aux États-Unis pour les élections. What happened in the United States for the election? Entre Kamala Harris, qui était la vice-présidente. Between Kamala Harris, that was the vice president. Et Donald Trump. And Donald Trump.
Et à notre grande surprise, Donald Trump a gagné encore les élections. Il revient pour la deuxième fois. And in our biggest surprise, Donald Trump won the election and he comes back for the second time. Et les événements modernes sont rendus clairs par la prophétie. And the modern events are made clear by prophecy. Ce sont ces choses-là qui nous montrent dans quelle ère nous sommes. These are the things that show us what time we're living in. Et savoir comment se préparer. And know how to make ourselves ready. C'est ce qui fait de nous différemment des pentecôtistes. That's what makes us different from Pentecostals. Et de toutes les dénominations. And all denominations. Et ils ont un message passé. They have got a past message. Et pas des événements que Dieu a fait dans le passé. They have got events that is mais speak nous of what avons God le message de l'heure. But we have got the message of the hour. Et tous les événements modernes all the modern events sont rendus clairs par la prophétie. Are made clear by prophecy. C'est pourquoi un message à la nation épouse ce that's matin. Why a message for the bride this morning. Et partout cette vidéo ira. And wherever this video will go. Que cela soit une bénédiction pour chacun des enfants de Dieu. A blessing for each other. Je l'adresse à vous, Amen Tabernacle, à Phoenix Tabernacle, tous les saints partout et partout dans le monde, mes brebis qui aiment mon ministère, to all the saints that love my ministry, et l'épouse de Christ, and the bride of Christ. Ma prière est que vous puissiez saisir cela. My prayer is that you may catch and understand this. Est-ce que vous prêts pour la parole? Are you ready for the word? Je n'entends pas vos amens. I can't hear you. Amen. C'est pourquoi levons-nous rapidement. Let us quickly stand. Ouvrons nos Bibles. Let us open our Bibles. Dans 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthians chapter 15. Commençons au verset 51. We starting from verse 51. Jusqu'à 58. Up until 58. L'apôtre Paul nous dit ici. The apostle Paul says here to us. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil. À la dernière, la traduction Wajak en anglais, c'est Trump. The English tradition says Trump. Le nom de ce président sort ici dans la Bible. The name of this president is found here in the Bible. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, ça c'est en français. It's in French. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous, nous serons changés. Car il faut que ces corps corruptibles revêtent l'incorruptibilité et que ces corps mortels revêtent l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. Amen. 1 Corinthians chapter 15, from verse 51. Behold, I show you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. In a moment, in a twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound. And the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. So when this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? The sting of death is sin, and the strength of sin is the law. But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. For much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. Allons à 1 Thessaloniciens chapitre 4. Let's go to 1 Thessaloniciens chapter 4. Là où le même apôtre Paul nous parle de l'enlèvement. Where the same apostle speak to us. Voyons la deuxième fois que ce nom de ce président sort dans la Bible. Now here is the second time where the name of this president comes out. Commençons au verset 13. We shall start from verse 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort, qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour la venue du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même,
avec un cri de commandement, à la voix d'un archange et au son de la... Ici, en anglais, c'est trompe. Here in English, it says trump. Au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ se ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Thessalonians chapter 4, from verse 13. But I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that ye sorrow not, even as others which have no hope. For if we believe that Jesus died and rose again, even so then also which sleep in Jesus will God bring with him. For this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. For the Lord himself shall descend from heaven with the shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God. And the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds, to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Wherefore, comfort one another with these words. Comme ça concerne les États-Unis d'Amérique, as it concerns the United States of America, allons dans Apocalypse chapitre 13. Let's go to Revelation chapter 13. Nous voyons là, ici, où la bête, ici, les États-Unis est pointée dans la Bible. Here now we see the beast, the United States of America, that cette puissance du temps de la fin, cette nation la plus puissante, this mighty power nation. C'est ici où Jean les voit sous forme de la révélation. This is where John sees him in the form of Revelation. Revelation chapter 13. Le verset premier jusqu'au verset 15. The first verse. Jusqu'au verset 10. Up until verse 10. Ça, c'est Rome, le Vatican, l'Église catholique romaine. That is Rome, the Roman Catholic Church, Vatican. Et lui, c'est dans le verset 11 ici. But he, the United States, in the verse 11 here. Puis je vis monter de la terre une autre bête. Il y avait des cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait des grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du ciel, du feu du ciel sur la terre, à la vie des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait la blessure de l'épée qui y vivait. Il lui fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parla, et qu'elle fit que tous qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits, grands, riches, pauvres, libres, esclaves, reçurent une marque sur leur main droite et sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête et le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Amen. Revelation chapter 13 from verse 11. And I beheld another beast coming up out of the earth, and he had two horns like a lamb, and his speech as a dragon, and he exercised all the power of the first beast before him, and causeth the earth and them which dwell therein to worship the first beast, whose deadly wound was healed. And he doeth great wonders, so that he maketh fire come down from heaven on the earth in the sight of man, and deceiveth them that dwell on the earth by the means of those miracles which he had power to do in the sight of the beast, saying to them that dwell on the earth, that they should make an image to the beast, which had a wound by the sword, and did live. And he had power to give life unto the image of the beast, that the image of the beast should both speak and cause that as many as will not worship the image of the beast should be killed. And he caused all, both the small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in the right hand or in their forehead, and that no man might buy or sell, save he that had the mark, or the name of the beast, or the number of his name. Here is wisdom. Let him that hath understanding count the number of the beast, for it is a number of a man, and his number is 666.
Que le Seigneur ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. May God add blessing in the reading of his word. Asseyez-vous, mes amis, même mon auditoire invisible est là-bas. Even the invisible auditory. Comme vous l'avez remarqué dans nos affiches là, as you have noticed the posters, mon sujet c'est Trump, 45e et 47e président des États-Unis d'Amérique. My subject is Trump, the 47th and 40, the 45th and 47th president. Et je prends comme inspiration pour and nous. As an inspiration for us, continuons à sonner la dernière trompette. Let us continue to sound the last trumpet. Qui peut dire amen? Who can say amen? Remarquez, les événements modernes sont rendus clairs par la prophétie. Notice, the modern events are made clear by prophecy. Nous avons lu là dans 1 Corinthiens 15. Where we are right now in 1 Corinthians 15. L'apôtre Paul nous dit pour cet enlèvement ici, pour la disparition de l'épouse. Now the apostle Paul is telling us for this rapture, disappearance of the bride. Que je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous. That I will tell you a mystery, we shall not all die. Mais à la dernière trompette. But at the last trump. Et regardez en anglais, c'est trump. Notice in English it's written trump. Quand cette trompe là sera sonnée. When that last trump shall sound. C'est ce qui amènera le changement de nos corps. That is what will bring the change of our bodies. Ce corps mortel sera changé à l'immortalité. This mortal body will be changed into immortality. La théophanie qui est en nous quand nous mangeons la parole deviendra une chair immortelle, un corps glorifié. The theophany that is in us when we eat the body, the word will become a glorified body. Et c'est là où nous changerons de dimension. That is what will change dimension. Et nous allons rencontrer le Seigneur Jésus dans les airs. And we'll meet the Lord Jesus Christ in the air. Et nous irons au ciel. And we will go to heaven. Ma prière est que personne parmi nous puisse manquer cela. My prayer is that no one amongst us should miss it. C'est pourquoi le même Paul détaille les gens de Thessalonique. That's why the same Paul gives details to people. Give que details non, to the ne pleurez pas les morts en Christ comme les païens. He says, do not cry the dead in Christ like pagans. Les païens n'ont pas d'espérance. He says, the pagans have no hope. Mais si un frère ou une sœur meurt en Christ. But if a brother or a sister dies in Christ. Comme nous avons certains ceux qui nous ont quittés ici comme Maman Bombo. Like we have some here that left us like Maman Bombo. Et beaucoup d'autres ici dans notre église. And many in our church. Paul dit que ne les pleurez pas comme des païens qui n'ont pas d'espérance. Paul says, do not cry them as those who do not have hope. On l'a dit parce qu'en son temps, il croyait qu'un jour le Seigneur lui-même descendra du ciel. Paul believed that one day the Lord himself shall descend from heaven. Avec le cri de commandement. With a shout of command. Est-ce que vous êtes là? Are you here? Et la voix de l'archange. And the voice of the archangel. Et au son de la trompette de Dieu en anglais, trompe. And the sound of the trumpet of God in English, the trump. Trois mystères de l'identification de la venue du Seigneur. Three mysteries of the identification of the coming of the Lord. Le cri de commandement. The shout of command. La voix de l'archange. The voice of the archangel. Et au son de trompe, trompette. And the sound of the trump, trumpet. C'est là où les morts en Christ reviendront dans ces trois premiers dimanches. That is where the dead in Christ shall come back in these three first dimensions. Et quand on va les voir, nous tous, nous serons changés. And when we will see them, all of us will be changed. Par le mystère de la translation de nos corps. By the mystery of the translation of our bodies. Et nous allons disparaître pour aller rencontrer le Seigneur dans les airs. And we shall disappear to go meet the Lord in the air. Paul a dit, consolez-vous par ces paroles. Paul said, comfort one another with this word. Est-ce que vous croyez à ça? Do you believe this? Et remarquez, nous avons ajouté Apocalypse 13. Notice, we have added also Revelation 13. Nous voyons là du verset 1er au verset 10. From the verse 1 to verse 10. Une bête qui monte de la mer. La mer dans la Bible, c'est là où il y a beaucoup de gens. We see a beast coming out from the sea, which is represents people. Cette bête là, c'est l'Église catholique romaine. That beast is the Roman Catholic Church. C'est lui la même prostituée que nous trouvons dans Apocalypse 10. That is the same prostitute we see in Revelation 17. Mais nous voyons une autre bête ici dans Apocalypse 13, but 11 à 18. We see another beast here in Revelation 13, but 11 to 18. La bête dans la révélation, c'est une puissance. A beast in Revelation represents a power. Elle sort de la terre là où il n'y avait pas de gens. Coming from the earth where there were dans no people. Dans un continent qui n'avait pas trop de gens. In a continent where there were not many people. Et elle avait deux cordes. And she had two horns. Elle parlait comme un agneau. And she spoke as a lamb. Remarquez, Apocalypse, c'est un livre de symboles. Notice,
Revelation is a book of symbols. C'est cette nation ici, les États-Unis d'Amérique. It is this nation, the United States of America. Qui est parti là dans un continent où il n'y avait pas beaucoup de gens. That was in a continent where there were not a lot of people. Et c'était un agneau, c'était des protestants. And it was a lamb, it was protestants. L'agneau identifie la vie chrétienne. The lamb identified a Christian life. C'était les protestants qui fuyaient la persécution de l'Église catholique en Europe. Those were protestants that were running away from the persecution. Et ils ont traversé l'océan Atlantique pour aller dans le Nouveau Monde. And they crossed the Atlantic Ocean to go to another world. Ils croyaient qu'ils sont comme Israël spirituel. They believed like they were spiritual Israel. Et la même année qu'Israël avait fui l'Égypte pour aller dans la terre promise. The same way as Israel ran away from Egypt to go to the promised land. Et ils ont fui l'Europe pour aller dans un Nouveau Monde. They ran away from Europe to go to a new world. Ils ont bâti leur constitution sur la foi protestante. They built their constitution upon the Protestant belief. C'est une nation chrétienne. It is a Christian nation. Et cet agneau-là avait des corps. And that nation had, that the lamb had two horns. Les cornes sont les pouvoirs, mais les pouvoirs civils et les pouvoirs ecclésiastiques. Those two horns, the prophet says, they are powers. The ecclesiastic and the civil power. Tu vois, cette nation-là n'a que deux grands partis politiques. That's why that nation has got only two political parties. Les républicains et les démocrates. Republicans and Democrats. C'est pourquoi ils ont un conçu ça par rapport aux deux tables de la loi de Moïse. That's why they built it according to the two tables of laws of Moses. Les quatre commandements parlent de aimer Dieu. The four first commandments of the table speaks of how the love of God. Ça c'est la première table. That is the first table. Et les autres six commandements c'est la relation d'aimer ton prochain. And the other commandments got six laws, which is all for you loving your neighbors. Tu vois, les républicains combattent beaucoup pour les choses d'aimer Dieu. That's why the Republicans, they fight a lot about things that is of loving God. Et les démocrates, c'est pour l'amour ici sur la terre. And the Democrats, they've got the love of things of the earth. Remarquez que leur bête la faisait descendre du feu du ciel. Now notice, the second beast was having power to bring fire from heaven. Tout cela, ce sont des symboles. All those are just symbols. Branham dit les bombes atomiques américaines. The prophet says, the American atomic bomb. C'est la nation la plus puissante que le monde entier a peur. That is the powerful nation that the entire world is scared of. Mais cet agneau-là, il est grandi. Now that lamb, instead of it to grow, à un certain moment, il est devenu plutôt comme un dragon. Now, reaching a certain space, it became like a dragon. Le même dragon qu'ils avaient fui en Europe. No, the same dragon, Satan, that they ran out from Europe, va s'emparer de cette nation-là. Now God hold of them this nation. Et il va parler maintenant, il va faire l'image de la première bête. Now they will speak, they will make an image out of the first beast. Le conseil écuménique des églises. Ecumenical councils of churches. Qui est l'image de Rome. Which is the image of Rome. La bête qui était blessé mais qui est revenu. The beast that was wounded that was brought back. Branham dit c'est Rome mais la Rome païenne. The prophet says the pagan Rome. Qui était blessé par les barbares. Which was wounded by mais Rome revient ici comme étant une église. But Rome comes back here as a church. La Rome païenne. The pagan Rome. Devient la Rome papale. Becomes the papal Rome. Do you believe it's an amen? Et remarquez que that ils feront l'image de cette bête-là. They will make an image unto that beast. Le conseil écuménique de toutes les églises. The ecumenical councils of all et the churches. Et ils vont imposer la marque de la bête. And they are going to impose the mark of the beast. Sur le front. On the forehead. Est-ce que vous êtes avec moi? Are you with me? Et sur la main. And on your right hand. Ce n'est pas comme les pentecôtistes attendent. It is not the way the pentecôtistes are waiting for. Et il y aura des symboles ici et ici. That there will be marks here and here. Ce sont des symboles. Those are symbols. Une fausse révélation de la parole. A false revelation of the word. Et des fausses actions. And false actions. Si vous les croyez, dites amen. If you believe it, say amen. Et ils vont s'imposer. And they will impose them. Personne ne pourra acheter ni vendre. No one will be able to buy or sell. C'est quoi? What is that? Un problème économique. An economical problem. Ils vont s'imposer dans toute l'économie du monde. To be imposed in the entire territory of the world. Et ils feront une pression. And they'll make a pressure. Alors Dieu a dit, c'est ici celui qui a la sagesse. Then God says, behold here where one has got knowledge. Pas wisdom. Deux personnes. Not two people. Une seule personne. It is one person. Que celui qui a la sagesse. He that has the understanding. Pas la sagesse de l'école. Not the wisdom of school. Mais la sagesse qui est venue de Dieu. But the one that came from God. Et celui-là, c'est William Marion Branham. That one is William Marion Branham. Il va nous calculer les chiffres. He will calculate the numbers. Et il a regardé dans le chapeau du pape. And he looked upon the head of the pope. Dans le
tiers du pape. Right above the heads. C'est écrit Vicaris Filii Dei. And it is written Vicaris Filii Dei. Et depuis que Jean avait dit cette écriture, and since John spoke about the scripture, personne ne l'a interprété. Nobody interpreted it. Béni soit le nom du Seigneur. Blessed be the name of the Lord. Mais quand celui qui a la sagesse est venu, but the one with the wisdom when he came, il a calculé, ça a donné 666. He calculated it, it gave 666. Et le monde entier adorera cette bête. And the entire world will worship the beast. Sauf une catégorie de gens. Except the category of people. C'est à qui leur nom. Whereby their name. A été écrite. Was written. Dans le livre de vie de l'agneau. In the Lamb's book of life. Avant la fondation du monde. Before the foundation of the world. Ils ne sont pas sauvés quand ils ont été baptisés. They were not saved when they were baptized. Ils ne sont même pas sauvés quand Jésus mourait à la croix. They were not saved when Jesus died at the cross. Mais ils ont été prédestinés. But they were predestinated. Avant la fondation du monde. Before the foundation of the world. Il a écrit leur nom dans le livre. God wrote their names in the book. Et c'est dans Apocalypse 10. And it's in Revelation 10. Que le livre descend. That the book descends. Et le septième ange a chaque nom. And the seven angels call each name. C'est pourquoi nous sommes ici dans ces messages. That's why we are here in this message. Ayant ce ministère, having this ministry, nous ne perdons jamais courage. We shall never lose courage. Je peux dire quelque chose? Can I say something? Tu n'iras pas au ciel à cause de tes efforts. You will not go to heaven because of your effort. Même si nous devons faire les efforts de vivre la parole. Even if you have to make efforts to live the word. Tu n'iras pas aussi en enfer. You will not go to hell. Même si le monde entier t'envoie. Even if the whole world sends you. Parce que toi tu as été prédestiné. Because you were predestined. Avant la fondation du monde. Before the foundation of the world. Et si tu es un prédestiné. And if you are predestined. Branham est dit. Branham says. Tu écouteras ton nom. You will hear your name. Et tu répondras amen. And you will answer amen. Tu croiras ce message. You will believe this message. Praise God. Gloire à Dieu. Donnons des acclamations au Seigneur. Let us give a hand of praise to the Lord. Nous sommes les prédestinés. We are the predestined ones. Voyez-vous mes amis. Do you believe that friend? Remarquez que ce pays ici. Notice. This qui est l'Amérique, which is America, il est dans le nombre 13 qui est le nombre de la femme. She is in number 13, which is the number of a woman. Dieu le place dans Apocalypse 13. God takes it in Revelation 13. Parce que 13, 13, c'est le chiffre de la femme. It's the number of a woman. La femme est la 13e côte. The woman is the 13th ring. C'est pas le serpent qui avait couché avec Eve à 13 heures. That's why the old serpent actually slept with the woman at the 13th hour. Quand nous faisons 12 mois dans les zodiacs, when we spend 12 hours in the zodiac, nous les hommes 12 mois, oui. Men, we spend la femme months. Dans son cycle a woman in et fait 8 jours calculé va avoir sa 13 fois. Of 28, if you calculate, she'll have it 13 times. Souvenez-vous de mon enseignement sur la triskaïdécaphobie. Remember the teaching that I taught here on the title triskaïdécaphobie. Vous allez suivre ça sur le nombre 13. You will watch it on number 13. Pourquoi cette nation-là, quand cela apparaît, that when that nation when it appears, observez que son drapeau, notice its flag, son drapeau a 13 étoiles. Notice the flag of America has got 13 stars. Et c'est là aussi 13 rayons. Even the lines are 13. Et le drapeau américain avait été conçu par une femme. And the American flag was made up by a woman. C'est pourquoi ce matin on a mis leur drapeau ici. That's why this morning we put the flag parce here. Parce que nous voulons parler à l'épouse de Christ. Because we want to speak on the bride of Christ. Tout est 13 avec. Everything is 13 with it. Et l'Amérique a été découverte au 13e siècle. Now, the America was also discovered on the 13th century. Et remarquez même que la Maison Blanche, la construction a commencé le 13. What is the White House? The building began on the 13th. Branham dit même la Statue de la Liberté. The prophet says even the Statue of Liberty. Qui était un cadeau de la France à l'Amérique. A gift of France to America. C'est la femme. It's a woman. Mais cette femme-là, c'est toujours 13. But that woman is still 13. Il a porté une couronne de 7. She put on a crown of seven. Et ils ont dit parce que ça représente les 7 continents. Says it represents the 7 continents. Ça reste 6 parce que la 7e était sombrée entre l'Amérique et l'Afrique. Now we have 6 because there is one that sank between Africa and America. Mais ils ne savaient pas que ça représente aussi les 7 ans de l'Église. But they did not know that it represents the 7 church ages. Dieu révélera les 7 ans de l'enseignement dans ces pays-là. God will reveal the 7 church ages in that country. Si vous le croyez, dites un grand amen. If you believe it, say amen. Tout est 13. The prophet says everything is 13. Même les billets d'un dollar. Even the note of $1. La pyramide ici c'est 13. The pyramid there is 13. Avant que la pierre de fête vienne la coiffer. Before the capstone come to shape it. Qui peut dire amen? Who can say amen? Même l'aigle ici. Even the eagle. Branham dit il a 13 flèches. She has got 13
arrow. 13 étoiles dans sa tête. 13 stars on its head. 13 feuilles de figuier. 13 fig leaves. C'est un pays où tout est 13. It's a country where everything is 13. Est-ce que vous me suivez ici? Are you following me here? Êtes-vous là? Are you here? Pourquoi? Why? C'est un pays de la femme. It's a woman's nation. Dites un grand amen. Say big amen. Et ça sort d'Apocalypse 13. And she comes out in Revelation 13. Et nous voyons dans ces élections dans ces pays ici 13. And in this election of this country 13. Un président du nom de trompette. A president by the name of trumpet. Revient pour la deuxième fois. Comes back for the second time. Et dans le Nouveau Testament, and in the New Testament, parce que pendant l'Ancien Testament n'était que l'ombre, because the prophet says the Old Testament was just a shadow. Et le livre de la rédemption c'est le Nouveau Testament. He says the book of redemption is the New Testament. Pourquoi le nom Trump sort deux fois? Why does the name Trump comes out twice in the Bible? Dans 1 Corinthiens 15. In 1 Corinthians 15. Quand Dieu parle, comment nous serons changés? When God speaks on how we will be changed. Le nom de Trump sort. The name Trump comes out. Et dans 1 Thessaloniciens 4. And in 1 Thessalonians 4. Quand il descendait avec les cris, la voix et la trompette. When he was descending with the voice, the shout of le the trumpet. Le même nom sort. The same name comes out. Dieu ne fait pas les choses hasard. God doesn't do things just by chances. Et il était le 45e président. He was the 45th president. Ne manquez pas cela. Don't you miss this? Il revient comme le 47e. He comes back as the 47th. Et dans ce pays-là, les États-Unis. And in that country, the United States. Remarquez même quand vous écrivez Jérusalem. Notice. Even when you write Jerusalem, la capitale de Dieu, God's capital, là où Melchizedek était venu, Melchizedek came, là où Jésus mourut, where Jesus died, quelle coïncidence! What a coincidence! Jérusalem, Jerusalem, la ville de paix, la ville de Salem, the city of peace, the city of Salem, le nom USA sort au milieu. The word USA comes right in the middle. Mon ami, il n'y a pas de choses par hasard. The prophet says, there is no thing that happened just parce que cette nation ici se considère comme étant aussi Israël spirituel. Because this nation considers itself as a spiritual Israel. C'est quoi même dans la latitude géographique. That's why even in geographic altitude. Jeffersonville et Jérusalem sont à la même altitude. Jeffersonville and Jerusalem are in the same altitude. Parce que le soleil se lève à Jérusalem. Because the sun rises in Jerusalem. Et quand ça va au coucher, c'est vers Jeffersonville. When it goes to set, it's toward Jeffersonville. C'est un mystère que Dieu nous montrait. It's a mystery that God was showing us. Le même Jésus qui avait marché à Jérusalem. The same Jesus that walked in Jerusalem. Il va marcher encore de nouveau. He will walk again. Ici à Jeffersonville. Here in Jeffersonville. Et nous l'avons vu. And we saw him. Dans la chair humaine. In the human flesh. Et son nom est William Branham. Of his name, man William Branham. Qui peut dire un grand amen? Who can say big amen? Est-ce que vous croyez que c'est une nation 13? Do you believe that's a nation 13? Remarquez maintenant. Notice now. Lisons un peu le prophète, mes amis. Let us read the prophet, friend. Dans la foi transmise aux saints. In the sermon, the faith transmitted to the saints. Paragraphe 17, frère Branham dit, mes amis. Paragraph 17, my friend. Avant que le temps de la fin vienne. Before the end time comes. Il y aura une femme qui sera un grand chef. There will be a great leader. Il y aura un grand. Il y aura avant que le temps de la fin vienne. Before the end time. Il y aura une femme. There will be a woman. Qui sera un grand chef. That will be a great leader. Dans ce pays. In this country. Elle sera soit de présidente. She will be either president. Soit quelque chose dans cet ordre. Or something in that order. Soit président. Either president. Soit quelque chose. Or something dans cet ordre. In that order. L'ordre présidentiel, c'est la vice-présidente. Meaning the presidential order after the president is the vice president. Il y a sans fin on that order. Quelque chose dans cet ordre. Une femme importante. An important woman. Dites amen à cela. Say amen to that. Dans ce moment-là. In a sermon from le 16 juillet 60. Preach on the 16th of le July. Le messager dit d'après son andé. The prophet says. Ainsi, je n'aurai pas le temps de vous les raconter dans cette réunion. Therefore. I will not have time to explain, illustrate all the en 1933, in 1933, ça c'est un pays de la femme. This is a woman's nation. Son nombre est 13. The number is 30. Il apparaît au chapitre 13. She appears in the chapter 13. Apocalypse 13. Revelation 13. 13 étoiles. 13 stars. 13 raïs. 13 tout est 13. Everything is 13. Tout c'est la femme. Everything is a woman. Souvenez-vous.
Remember. Ainsi dit le Seigneur. Thus said the Lord. Une femme va diriger. A woman will rule. Avant le temps de la fin. Before the end time. Ah, dit amen au prophète. Say amen to the prophet. Elle sera soit de président. She will be either president, soit de vice-président, either vice president, soit ce serait l'église catholique en tant que femme, or a Catholic church as a woman, soit président, either president, si c'est pas ça, vice-président, if not that, vice president, ou encore l'église catholique comme ça, or the Catholic church has a woman. Voilà, je l'ai vu. Voilà, what I'm saying. I saw it. Une grande femme, a great woman. La nation s'inclinait devant elle. The nation bowed down before her. Il y aura une avant le temps de la fin. There will be one before the end time. Ainsi dit le Seigneur. That said the Lord. Notez cela. Notice. Et voyez-vous, and vous see, les jeunes gens. Oh. You young people. Voilà, mais savait que les jeunes de son époque ne verront pas ça. But Abraham knew that people of his time will not see that. Il dit, mais les jeunes gens. He says, you young people. Combien il y a de young people ici? How many young people are here? Vous voyez? You see? Voyez si cela va arriver. See if that won't happen. Si ce n'est pas le cas, if that's not the case, je suis un faux prophète. I'm a false prophet. Mais nous croyons qu'il est le plus grand. But you believe that he's the greatest. De tous les prophètes. Of all the prophets. Depuis Enoch jusqu'à nos jours. From Enoch to our day. Est-ce que vous croyez à ça? Do you believe that? Remarquez dans l'exposé, il dit. Notice in exposition. Après qu'il a parlé de ses sept visions. After he spoke about the seven visions. Puis 314. Then 314. Dans la sixième vision. In a sixth vision. Une femme de la plus grande beauté. A woman of great beauty. Mais cruelle. But cruel. Se leva en Amérique. Will rise in America. Elle avait un pouvoir total sur les gens. She had a total power on people. Écoutez ici cette doctrine. Listen this doctrine here. J'ai cru qu'il s'agissait de la montée de l'Église catholique romaine. I thought it was the rising of the Catholic Church. Mais but je savais que c'était peut-être la vision d'une femme. I knew it was a vision perhaps of a qui woman allait prendre un grand pouvoir en Amérique. That will take a great power in America. Grâce au droit de vote des femmes. Because of the vote of women. Et observez, le droit de vote des femmes a commencé en 1920. Notice, the right of women to vote began in 1920. Et Kamala Harris a été votée en 2020. And Kamala Harris was voted in 2020. 100 ans. 100 years. Un centenaire. A centenary. Frère Bana maintenant commence à dire comment ça s'accomplit. The prophet now explained how it came. Il a dit oui, chacune d'elles, 315. He says yes. Chacune de ces visions là. Each one of those visions. S'est accompli. Came to pass. Suivez ici. Notice. Où elle est en train de s'accomplir. Notice. It came to pass, or it in the process of being fulfilled. Yes. Parce que de son vivant, il disait toujours. Because during his life, cinq sont accomplis. He says five came to pass. Nous attendons les deux. He says we will wait for the two. Mais ici, il a dit que cela est en train de se. But here it's saying some has been fulfilled and other are in the process of being fulfilled. Regarde comment il interprète la vision. Notice how he interprets the vision. L'Église catholique prend de l'extension. Now the Catholic Church taking extension. Parce que l'Amérique c'est un pays anti-catholique, anti-papiste. The Catholic. The United States of America, they are anti-Catholic. They are against the Pope movement. Mais le catholique a commencé à prendre l'extension aux États-Unis. But now, the Catholic Church is now taking extension in the United States of America. Nous avons eu un président catholique. He said, we have heard a Catholic president. Le premier président catholique des États-Unis, c'est Kennedy. The first Catholic president of the United States was Kennedy. Branham dit. Branham says. Nous avons eu un président catholique. We have had a Catholic president. Et nous en aurons sans doute un autre. But surely we will definitely have another. Du vivant de Branham. During the life of the living of our Branham. Kennedy est devenu président. Kennedy became a president. Et il était marié avec Jacqueline. C'était Acab et Jezabel. And he got married to Jacqueline, which was Ahab and Jezebel. Et Jezabel et l'Église catholique étaient derrière Kennedy. And Jezebel, the Catholic Church, was behind Kennedy. Les titres de la Bible ne trompent pas. The terms of the Bible don't deceive. Quand Jezabel et Acab étaient vivants. When Jezebel and Ahab were alive. C'était le temps où Élie le prophète était là. It was a time where Elijah the prophet was right there. Quand Kennedy est arrivé au pouvoir, when Kennedy arrived in power, Branham était sur la terre. Branham was on earth. Et comment est-ce que Acab était mort? And how did Ahab die? On l'a tiré. He was shot. Son sang coulait dans son char. And his blood was shed in his chariot. Et le char aujourd'hui c'est la voiture. And the chariot today are cars. Comment est-ce que Kennedy est mort? How did Kennedy die? Dans
dans sa voiture. In his car. Il n'y a rien de nouveau sur la there terre. Is nothing new on the earth. Mais Branham a dit, malgré que nous l'avons déjà eu. But Branham says, despite the fact we have heard it before. Il dit, nous en aurons un autre. He says, we will have another. Aujourd'hui. And today. Cette écriture-là est accomplie. That scripture is already fulfilled. Nous avons attendu après Kennedy. We waited after Kennedy. FN Johnson. Johnson came. Nixon. Nixon. Tout cela. And all Jimmy of them. Carter. Jimmy Carter. Ronald Reagan. Touche le père. Touche le fils. Push the son. Bill Clinton. Bill Clinton. Et nous avons vu Obama. We saw Obama. Et après and ça là, that, nous avons eu Trump dans le premier mandat. Trump in the first mandate. Et en 2020. And in 2020. La parole de ces prophètes. The word of this prophet. Était accomplie devant nous. Came to pass before us. Joe Biden. Joe Biden. La deuxième président catholique des États-Unis. The second Catholic President of United States of America. Oh, acclamons le Seigneur pour ça. Let us applaud the Lord for that. Merci Seigneur pour les prophètes. Thank you Lord for the prophet. Le monde ne connaît pas ces choses. The world do not know this thing. Dieu nous l'a révélé. But God revealed it to us in His end time. Est-ce que vous croyez à ça? Do you believe this? Remarquez. Notice. Dans la brèche. In a sermon, the bridge. 248 frères Branham. 248 frères Branham. Peu importe qui s'endorme à la première veille. No matter if it sleeps in the first watch, the dead in Christ. À la deuxième, the second watch, la troisième, the third watch, la quatrième, the fourth la cinquième, watch, the fifth, la sixième, ou la septième, or the seventh watch, quel que soit l'endroit où il s'endorme, no matter where they sleep, qu'est-ce qui va arriver? What will happen? La trompette de Dieu sonnera. The trumpet of God shall sound. Cette dernière trompette. That last trump. Madame dit en anglais, that last trump. The prophet says, that last trump, the dernier trompette, retentira en même temps que le dernier ange donne son message. Shall sound at the same time with the last angel while it's giving its message. Et que le dernier sceau est ouvert. And the last seal is open. Dites un grand amen. Say a big amen. Cette dernière trompette sonnera. This last trumpet shall sound. Et voilà les rédempteurs qui s'avancent. And behold the redeemer coming. Pour prendre possession de ce qu'il a racheté. To take possession of what he has redeemed. Son église. His church. Lavée par le sang. Washed by the blood. 256 il dit. 256. Et même les vivants qui sont restés jusqu'à la venue du Seigneur. Even the living that are that remain up until the coming of the Lord. Ne dévasseront pas ceux qui sont endormis. Shall not prevail. Car la trompette de Dieu sonnera. For the trumpet of God shall sound. À cette dernière trompette. And its last trumpet. Quand le dernier son est pris. When the last trump is, et que le septième donne son message, and the seventh angel give his la message, dernière trompette sonnera. The last trumpet shall sound. Et les morts en Christ ressusciteront. And the dead in Christ shall rise. Et nous les vivants qui serons restés, and we the living that nous serons remaining, ensemble enlevés avec we will be caught up with them. À la rencontre du Seigneur dans les airs. Meeting of the Lord in the air. Est-ce que vous me suivez, mes amis? Are you following me, friends? Quand on parle de la trompette ici, when we speak of the trumpet here, n'ayez pas la compréhension pentecôtiste. Don't you have the pentecôtiste? God is understanding. Comme ils chantent chaque jour. Like they sing every day. Tango Yesu akoya. When the Lord shall come, the trumpet shall sound. Ils pensent qu'un jour, they think that one day, il y aura la trompette comme celui qui a sonné là. There will be a trumpet like the one that is being played. Ce sont des symboles. Those are symbols. La trompette c'est l'évangile. The trumpet is the gospel. Mais cette trompette sonne. And the trumpet sounds. Au même temps que le septième sceau est ouvert. When the seventh seals are open. Et que Branham est sur la terre. And when Branham is on the earth. Cette trompette là a déjà sonné. That trumpet has already sounded. Au jour de la voix du septième ange. In the day of the voice of the seventh angel. Quand il sonnerait de la trompette. When it shall sound the trumpet. Le mystère de Dieu sera révélé. The mystery of God will be revealed. C'est cette trompette là. It is that trumpet. C'est cet évangile là. It is that gospel. C'est ce message là. It is that message. Le seul et l'unique. The one and only. Qui a en elle la puissance. That has God in it the power. Pour changer nos corps. To change our bodies. Et de nous amener dans l'enlèvement. And to take us to the rapture. Est-ce que si vous les croyez, répondez amen. If you believe this, say amen to this. Merci Seigneur pour la trompette. Thank you Lord for the trumpet. La trompette de l'évangile. The trumpet of the gospel. Ne soyez pas comme les frères Patrice. Don't be like brother Patrice. Ils attendent une trompette. They are waiting for a trumpet. Et cela a déjà sonné. It has already sounded. Et nous continuons à le sonner encore. And we are still sounding it. Qui peut dire un grand amen? Who can say amen? Abraham dit. What Abraham says. Et remarquez. Notice. 3 semaines avant sa mort. 3 weeks before his death. Depuis que la Bible existe, since the Bible existed, Dieu n'a jamais expliqué à quelqu'un qu'est-ce que signifie les cris de commande. God has never explained what is the meaning of the shout of command. Qu'est-ce que signifie la voix de l'archange? What is the voice of an archangel? Qu'est-ce que signifie la trompette? What is the trumpet? Dieu vient l'expliquer. God comes to explain it. 3 semaines avant de quitter la terre. 3 weeks before he leaves. Et il appelle les gens, il prêche l'enlèvement. He calls people and he's preaching the sermon, the rapture. 128 il dit.
128. Le mot rapture. The word enlèvement. Rapture. Que nous employons pour désigner l'enlèvement. That we use to design or to. N'est même pas utilisé du tout dans la Bible en anglais. It's not even in the Bible in English version. Nous l'avons simplement placé ces mots-là. We only place that. La Bible parle plutôt de caught up. The Bible speaks of caught up. Being caught up. Être enlevé. C'est-à-dire pris en haut. Taken up. Être pris en haut. Being caught up. Nous lisons ici dans 1 Thessaloniciens. Now we read in 1 Thessalonians. Écoutez, frère, l'ordre dans lequel. L'ordre. Listen, my brother. The order. Dans lequel. At which. Ce grand enlèvement arrivera dans les derniers jours. The great rapture will take place in the last days. Écoutez, ceci, nous allons commencer par le verset 13. Listen to this. We'll start from. Nous ne voulons pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance à l'égard de ceux qui dorment. It says, brother, we don't want you to be ignorant from those. Afin que vous ne soyez pas affligés comme les autres qui n'ont pas d'espérance. So that you do not be like. Car si nous croyons que Jésus est mort, mourut et qu'il est ressuscité. For if we believe that Jesus died and rose again. Et même aussi avec lui. And also with Dieu amènera ceux qui sont endormis en Jésus. God will bring back those who are sleeping in Jesus. Car nous vous disons ceci d'après la parole du Seigneur. But we tell you by the word of the Lord. Que nous les vivants qui demeurerons jusqu'à la venue du Seigneur. We the living that will dwell and remain up until the coming of the Lord. Nous ne dévancerons pas. We will not prevail. Mon ami, ce mot dévancer signifie faire obstacle. The word prevail means to do obstacle. Dites amen à cela. Say amen. Aucunement ceux qui sont endormis. Meaning those that are. Car le Seigneur lui-même. For the Lord himself. Le Seigneur lui-même. I emphasize the Lord himself. Mon ami, écoutez attentivement. The prophet said, listen carefully. Car le Seigneur lui-même. For the Lord himself. Avec un cri de commandement. With a shout of command. Ou de rassemblement. Or the gathering. Avec une voix d'archange. With the voice of archangel. Et avec la trompette, ici c'est and trumpet. With the trump here. Que Dieu descendra du ciel. But God shall descend from heaven. Les morts en Christ ressusciteront premier. The dead in Christ shall rise first. Madame de Saint-Venef dit, je veux que vous remarquez cette grande chose qui arrive ici maintenant. And the 29th Madame says, I want you to notice this great thing that is happening right now. Ne manquez pas ceci. Don't you miss this. Notez bien. Note. La parole dit ici dans 1 Thessaloniciens. The word says here in 1 Thessalonians. Il y a trois choses qui doivent arriver. There are three things that should come to pass. Avant que le Seigneur lui-même apparaisse. Before the Lord himself appears. Rapidement maintenant, afin que nous puissions terminer, voyez-vous. Quickly now for us to end. La première chose qui arrive. It says the first thing that happens. C'est un cri de commandement. It's a shout of command. Oui. Then. Une voix. A voice. Et ensuite. Then. Une trompette. A trumpet. Lisons-le maintenant, voyez-vous si c'est juste. Let us read it to see. Car right. Le Seigneur lui-même, le verset 16. Verse 16, for the Lord himself. Avec un cri de commandement. With a shout of command. Avec une voix d'archange. With the voice of archangel. Avec la trompette de Dieu. And the trump of God. Il descendra du ciel. Shall descend from heaven. Ça 30 dit trois choses doivent arriver avant que Jésus apparaisse. 130, he says, three things should happen before the Lord appears. Un cri de commandement. A shout of command. Une voix d'archange. A voice of archangel. Et une trompette. And a trumpet. Prenons le cri de commandement. Let us take the shout of command. Jésus fait ces trois choses. Jesus does these three things. Pendant qu'il descend. As he descends. Dites un grand amen à cela. Say a big amen to that. Tu ne peux pas dire que le cri de commandement il y a, Jésus n'est pas descendu. You cannot say the shout of command has taken place and the Lord Jesus did not descend. Le cri de commandement ce n'est pas un pasteur. The shout of command is not a pastor. Même pas un messager. Not even a messenger. C'est le Seigneur Jésus lui-même. But it's the Lord Jesus himself. Il fait ça pendant qu'il descend. He does it as he descends. Et quand on dit descendre, and when we say descend, ce n'est pas un mouvement de haut en bas. It's not a movement from up to down. Quand on dit Dieu a mort fait. The prophet says, it is God and mort. Qu'est-ce qu'un cri de commandement? What is a shout of command? C'est un message. It's a message. Qui est proclamé premièrement. Proclaimed first. Le pain de vie. The bread of life. Vivant. Life living. Manifestant l'épouse. Manifesting the bride. Je ne vais pas entrer dans cet enseignement là. I don't want to get into this teaching. Qui embrouille les gens du message. That is confusing the people in the message. En 63, Branham a dit, ce sont les sept tonnerres qui rassemblent l'épouse et lui donnent la foi de l'enlèvement. En 65, ici, il dit, c'est le cri de commandement. Le cri de commandement, c'est un message. Quel message? Which message? Ce n'est pas le message de préparation qu'il prêchait avant. C'est le message qui est descendu quand le Seigneur est descendu dans Apocalypse 10. C'est le message qui descendait quand le Lord descendait. In Revelation chapter 10. Et nous n'attendons plus la venue du Seigneur. And we are not waiting for the coming of the Lord. Le Seigneur est déjà descendu. But the Lord has already descended. Il est descendu. He descended. Sur les
maison sans sainte. On the sunset la science l'a pris la faute. Scientist took the picture of et quand il descend là, est-ce que vous me suivez, mes amis? Are you following me? Il s'incarne. He's incarnate. Il brise les sceaux. He breaks the seals. Branham ne peut pas briser les sceaux. Branham cannot break the seals. C'est l'agneau lui-même. It's the lamb himself. Acclamons le Seigneur pour sa descente. Let us applaud the Lord for his descending. Je voudrais lire ça. I read it to you. Pour que vous puissiez saisir. So that you can catch it. Pourquoi? Why? Observe. Observe. Ne manquez pas ceci. Don't you miss this now? Les anciens rois de la Bible. The old des nations, la majorité. The Gentiles, majority of them. Vous attendez leur nom. Darius. You heard the names. Darius. Titus. Titus. Cyrus. Cyrus. Tous ces grands rois-là qui jouaient des rôles. All those great ones that were playing role. À la fin de leur nom, c'est IS, IS. At the end is written S-U-S. IS en anglais, c'est AS. US in English, it AS. Leur vie montrait. Their life would show. Ce qui arriverait dans notre temps. What happened in our time. Or, depuis que le monde existe. Well, since the world exists. C'est une nation qui est dans la Bible qui est. Les États-Unis. That is the Bible, the United States. Ils ont eu des présidents. They had president. George Washington. George Washington. Abraham Lincoln. Abraham Lincoln. Donald Reagan. Donald Reagan. Beaucoup de présidents. Many presidents. Mais la première fois. But the first time. Nous voyons un président qui s'appelle Trump. We see a president by the name Trump. Or Trump. Yet Trump. Est utilisé dans la Bible deux fois. Trump. Used in the Bible twice. Trump. Corinthiens 15. Il n'y a pas d'hasard. The prophet says there are no hazard, there are no chance. Vous avez étudié le nom. The prophet says, study the name. Souvenez-vous de la vision de la statue. Not this, Daniel. The vision of statue of Daniel. Du pied jusqu'à la tête. From the foot, the head to the foot. Et les pieds étaient d'argile. Et the feet were fait. Iron and clay. Et il a vu la pierre de fait descendre. And he saw the capstone coming. Combien se souvient de ça? How many remember the vision? Comment est-ce que Branham a compris ça? How did Brother Branham understand that? En 1960, in 1960, il y avait une réunion à l'ONU. There was a UN meeting. Le président russe s'appelait Khrushchev. Russian president was called Khrushchev. Qui signifie argile. Which means clay. Et le président américain s'appelait. And the American president was called Eisenhower. Eisenhower. Qui signifie fer. Which means iron. Et le monde entier, ils ont proclamé dans les télévisions. And the entire world were proclaiming about that. Ils ont signé les accords de paix. That they are about to sign an agreement of peace. Que le monde sera dans la paix. That the world will be in peace. Mais Branham est revenu dans la Bible. But Branham returned in the Bible. Il a dit que, oh, selon la Bible. He says, according to the Bible. La Bible dit par Daniel. Bible says by Daniel. L'argile ne peut pas se mélanger avec le fer. Iron cannot mix with clay. J'ai fait la biochimie, en chimie, il n'y a pas d'alliage entre l'argile et le fer. I did by biology, you realize that there is no mixture between iron and clay. Les pasteurs ont prophétisé, il y aura la paix. Pastor prophesied there will be peace. Ils ont signé la paix. They signed decree. Branham est revenu dans la Bible. But Abraham came back in the Bible. Il n'y aura pas de paix. There shall be no peace. Khrushchev a pris l'avion jusqu'à New York. Khrushchev took a flight up until New York. Les gens ont dit frère Branham c'est un faux prophète. People say Branham is a false prophet. Khrushchev vient d'arriver. Khrushchev has just arrived. Branham dit la Bible ne peut pas faillir. Branham says the Bible cannot lie. Ils sont entrés jusque dans la réunion. They got up until the meeting. Tout le monde a dit frère Branham a failli. Oh, many people say Branham failed. Juste avant de signer. Right before they had agreed. Khrushchev assis là. Khrushchev sitting there. Et ils ont noué ainsi là. Les fer et l'argile. Iron and clay. Quelques secondes avant de signer. Few seconds before the sign. Khrushchev s'est fâché pour rien. Khrushchev just got angry. Il a pris son soulier. He removed his shoe. Il a tapé sur la table. He hit on the table. Il dit pas d'accord de paix. He says there shall be no peace. Et il est sorti, il est parti. And he went out. Lui-même a dit je ne connais pas ce qui m'avait pris. Himself he says I don't know what came over me. Que le monde veuille ou pas. Whether the world likes it or not. Nous sommes sous l'influence de la parole. We are under the influence of the word. Et Branham a dit, voyez. Branham says, see.
comme c'est le fer et l'argile, as is iron and clay, alors il faut que la pierre de fer descende. Then the capstone must come down. Et le 28 février. And the 28th of February. Les sept ans sont venus de l'éternité. The seven angels came from eternity. Mon ami, c'est la pierre de fer. But I would say that the capstone. C'est la fin de tous les systèmes de ce monde. It is the end of all the system of Mais the world. Mais la même pierre de fer qui écrase les nations. By the same capstone that smashed the nations. Il n'y a pas d'espoir dans les nations. There is no more hope in the nations. Il n'y a pas d'espoir dans la RDC. There is no hope in DRC. Glory to God. Not even in South Africa. La pierre de fer, c'est le cinquième royaume. The capstone is the kingdom. Nous sommes déjà dans un autre royaume. We are already in another kingdom. Qui peut dire un grand amen? We can say big amen. Nous sommes citoyens d'un autre royaume. We are a citizen of another kingdom. J'attends les citoyens dire amen. I want citizens to say amen. Et dans ce royaume-là. And in that kingdom. Ce n'est pas Fatih qui est président. It is not Tshisekedi that is the president. Ce n'est pas Ramaphosa. It's not Ramaphosa. C'est lui qui est le président. The one that is the president. C'est le Seigneur Jésus-Christ. It's the Lord Jesus Christ. Et dans ce royaume-là. And in that kingdom. Il y a un premier ministre. There is a prime minister. Celui qui est le premier ministre. The one who is the prime minister. C'est William Branham. It's William Branham. Et dans ce royaume. And in that kingdom. Il y a des ministres. There are ministers. Je crois que je suis le ministre de la défense. I believe I'm the minister of defense. Et en ce ministère. And having this ministry. Nous ne perdons pas courage. We shall never lose courage. Dans ce royaume là, il n'y a pas de coup d'état. And in that kingdom, there are not coup d'état. C'est le royaume de la paix. There is a kingdom of peace. Nous sommes dans un autre royaume. We are in another kingdom. Nous sommes de ce, nous vivons dans ce monde. We are living in this world. Mais nous ne sommes pas de ce monde. But we are not of this world. Quand la pierre de fer descend, when the capstone descends, ça crie grâce. It shouts grace. Grâce. Grace. Au milieu de nos acclamations. In the midst of our acclamations. Comment est-ce que Branham a compris ça? How did Branham understand Il this? A surveillé les noms. He observed the names. Cher pasteur du message. Dear pastors of the message. Parami, observez les noms. But Abraham says, observe the names. Or, ce monsieur ici Trump. Wallace, this man Trump. Le nom de son père s'appelait Fred Chris Trump. His father's name is Fred Chris Trump. Qui signifie trompette de Christ. Which means the trumpet of Christ. Comment est-ce qu'un homme peut avoir un nom comme ça? How can a father have a name like this? Trompette du Messie. Trumpet of the Messiah. Et il met au monde son fils, il donne le nom de Donald Trump. And he gives birth to a son that he gives the name of Donald Trump. Et non, Donald vient du mot latin Donatus. Donald comes from a Latin word called Donatus. Qui signifie sonner. Which means to sound. Et sonner Trump. Sound Trump. Comment est-ce que son nom signifie sonner la trompette? How can his name mean sound the trumpet? I thought somebody was sounding natural here. Voilà. All right, thank you. Ce président, c'est ça son nom. This president, that is his name. Donald Trump. Donald Trump. Donatus. Donatus. Sonner Trump. Sounding Trump. Sonner la trompette. Sounding the trumpet. Il n'y a pas d'hasard. There are no chances or hazard. Remarquez. Notice. Le nom Trump, Donald Trump. Trump. A 11 lettres. Got 11 Donald, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 letters. 11, c'est l'appel de souffrir de la 11e. 11, the call of the 11th workers in the Bible. Ça venait à faire quelque chose à faire avec l'épouse. He's coming, he's got something to do with the bride. Remarquez, il est né le 14 juin 1946. Notice, he was born the 14th of June 1946. Même en la même année où Israël est devenu une nation. The same year that Israel became a nation. Et l'ange a visité William Branham. And the angel visited William Branham. Êtes-vous là? Are you here? Pour lui donner la commission. To give him the commission. Lui l'est né. He was born. Nos naissances ne sont pas hasard. Our birth are not just by chances. Continue à remarquer. But continue not. Il a eu son premier mandat en tant que président. He had his first mandate as a president. En 2017. 2017. Je vous ai enseigné ça ici. I taught you this year. Dieu ne compte que jusqu'à 2000. God counts only up until 2000. C'était l'année 17. It was the year 17. 17 dans la Bible, c'est le changement des systèmes. 17 is a number of the change of system. Ou visitation. Or a visitation. Voilà, la pluie tombe le 17. That's why. The rain fell on the 17th of May.
Dans Genèse 17, Dieu visait Abraham comme étant El Shaddai. Genesis 17, God visited Abraham as El Shaddai. Joseph avait reçu la robe à sept couleurs à 17 ans. Joseph received the robe of seven colors at the age of 17. David, Dieu l'a visité, il a tué Goliath à 17 ans. God visited David when he killed Goliath, he was 17. L'ange a visité Marie à 17 ans. The angel visited Mary at the age of 17. Dans Matthieu 17, Dieu visite Jésus, celui-ci est mon fils, écoute-le. In Matthew 17, Jesus, God visited Jesus and says, this is my son, hear ye him. Branham, à la rivière Oyo, arrivé à la 17e personne, Dieu les visite. But Abraham, in the Wild River, when he was seven, baptized in the 17th person, God visited him. As I sent John the Baptist, so sent I you with the message. The picture of the pillar of fire was taken, the picture in the 17th meeting. La nuée est apparue dans les journaux le 17. The cloud picture appeared in the newspaper at the 17th. 17! 17. C'est le changement de système. It's a change of system. Et la visitation. And visitation. Vous voyez pourquoi cet homme-là est venu changer le système présidentiel. Now you see why this man came to change the presidential system. Et l'année là c'était 70 ans. And that it was 70 years. Depuis qu'Israël était retourné. Since Israel went back. 70. Selon Jérémie. According to Jeremiah. C'est la fin de l'esclavage. It's the end of slavery. J'ai dit vous irez à Babylone pendant 70 ans. You go to Babylon for 70 years. Fin de l'esclavage selon Jérémie. End of slavery. Et c'est là où un roi du nom de Cyrus. That's where a king by the name of Cyrus. A signé un traité. Signed a treaty. Israël, vous devez maintenant retourner. That Israel, you must now return. Je reconnais Jérusalem. I recognize Jérusalem. Allez bâtir Jérusalem. Go and build Jerusalem. Et remarquez que lui aussi Trump. He also Trump. La même année là. That same year. Il signe le décret. He signed a decree. De reconnaître Jérusalem. Of recognizing Jerusalem. Comme capitale d'Israël. As a capital city of Israel. Il a transféré l'ambassade de Tel Aviv. He transferred the embassy of Tel Aviv. À Jérusalem. Into Jerusalem. Parce que 7 c'est l'achèvement. Because 7 is achievement. C'est pourquoi. That's why le nom Cyrus, the name Cyrus apparaît dans la Bible dans Ésaïe 45. Appears in the Bible in Isaiah 45. Branham dit, Branham says, la Bible a 66 livres. The Bible has got 66 books. Ésaïe a écrit la Bible en mini entière avec 66 chapitres. Now, Isaiah wrote the Bible in my, it minimized the Bible by 66 books. Et c'est dans Ésaïe 66, which is 66 chapters. Now, in Isaiah 45, vous lirez ça à la maison. You go read it at home. Dieu dit Cyrus mon ouin. God says, Cyrus, my anointed one. Je l'ai ouin pour reconnaître Jérusalem. I anointed him to recognize Jerusalem. Comment Trump est le 45e président? How come Trump is the 45th president? C'est vrai, les Juifs lui ont fait cet argent ici. That's why they made this coin for him by the Jewish. Ils ont fait le coin cela, ils ont mis la face de Cyrus et lui. They put the face of Cyrus and Donald Trump. Ils ont écrit ça 70 ans, ils disent qu'il est le Cyrus modèle. They put 70 years, they say he's the current Cyrus. Et vous voyez 45. And you see 45. C'est 4 plus 5, c'est 9. 4 plus 5 is 9. Dans l'enlèvement, frère Branham dit, the prophet says it's in quand on arrive au chiffre 9, when you get to number 9, c'est un nombre imparfait. It's an imperfect number. Branham a crié, il a dit, Branham shouted and said, il faut revenir à 7. You must come back to 7 pour l'enlèvement. For the rapture. Voyez-vous? You see? Pourquoi il devait revenir? Why he had to come back? C'est vrai, il a revenu. That's why he came back. Pour ceux qui sont spirituels. Those are spiritual. Et quand il revient, and when it comes back, c'est un signe de l'enlèvement. It's a sign for the rapture. Oh, l'enlèvement c'est fait. Yet the rapture takes place. Par la septième trompette du septième. By the seventh trumpet of the seventh angel. Tout est mathématique. Everything is mathematical. Et 40. And 40. 5. 5. C'est 40. It's 40. Et 5. And 5. 40. 40 years. Et 5. And 5. 40 c'est une génération. 40 is a generation. 5 c'est la grâce. 5 is grace. Une génération qui doit recevoir la grâce. A generation that should receive a grace. Il a amené à la maison blanche. Nous devons commencer à prier au nom de Jésus. That's why he brought back in the white house that you need to pray in the name of the Lord Jesus. Malgré qu'il aime beaucoup les femmes, even though he loves women, mais lui, but him, il dit que nous devons prier quand même au nom de Jésus. He says we need to pray in the name of the Lord Jesus. Nous devons ramener Jésus à la maison blanche. We must bring Jesus back in the White House. Remarquez qu'après qu'il a échoué, after he failed, il revient dans le deuxième mandat. He comes back in the second mandate. Et il va commencer ça l'année prochaine. Il aura 79 ans comme on l'a voté. He will start it next year. It will be 49 years. Et on l'a voté en 2024. He was voted in 2024. L'année 24 c'est l'année des trônes. The year 24 is the year of the throne. Il revient dans son trône. But he comes back in his throne. Parce que 79 c'est 1 plus 7, 6 c'est 7.
Because 79 is one, it actually, c'est one, 7 plus 9 is 15. Il est venu achever ce qu'il avait laissé. He came to achieve or fulfill or finish what he started. Les événements modernes sont indiqués par la prophétie. Modern events are made clear by prophecy. Lui-même dit, je suis revenu pour achever ce que j'avais laissé. He came and says, I came to finish what I started. Et remarquez qu'il est le 47e président. Notice. He's the 47th president. Il revient là comme 47e président. Esaïe 47. He comes back as the 47th president. La Bible dit là, c'est la descendance de la fille de Babylon. There is now the bringing down of the woman of the of et Babylon. L'arrachement de son trône. And the taking off of the throne. Or Babylon, c'est l'Église catholique, sa fille. C'est Babylon. Is c'est quoi? Il a baissé Biden. He put down et Biden. Kamala. And Kamala. Et il les a arraché leur trône. And he took the throne out from them. Et 47, c'est 4 plus 7, c'est 11. 4 plus 7 is 11. Un signe des ouvriers de la 11e heure. A sign of the work of the 11th hour. 40, c'est 47 générations d'achèvement. 40 and 7. It's an accomplishment of a generation. Parmi la mathématique de la numérologie. The prophet says the numerology of God is perfect. Il dit si quelqu'un dit qu'il n'y a rien dans le nombre, c'est un abruti. The prophet says if one says there is nothing in numbers is senseless. Il ne comprendra pas la partie numérique de sa Bible. You will never understand the numerical part of his Bible. Comment peut dire amen à ça? How many can say amen to it? Allons profondément. Let us go deep. Remarquez dans la Bible. Notice in the Bible. Trump est cité deux fois dans le Nouveau Testament. It's mentioned twice in the New Testament. Dans 1 Corinthiens 15, 52. In 1 Corinthians 15, 52. 1 Corinthiens 4, 5. And 1 Corinthians 4. Pourquoi Dieu le cite deux fois? 52. Now notice, why is God mentioning him twice? Dans le Nouveau Testament. In the New Testament. C'est un signe. The sign. Pour ceux qui sont spirituels. For those who are spiritual. De ces démons. Of these two men. Selon le type de la Bible. According to the type of the Bible. Trump devait revenir pour la deuxième fois. Trump had to return et for the second time. Et c'est là que les choses vont mal tourner. That is where things are going to turn wrong so bad. Église, et nous y sommes. Church, here we are. Normalement, il devait avoir 8 ans. Normally, he had to spend 8 years. Mais il a fait 4 ans. He spent 4. Dieu a mis pause. God put a pause. Puis il revient encore pour les autres 4 ans. And he comes back again for the next 4 years. Avec le même écart de 8 ans. And a space of time of 8 years. De la 6e vision. The 6th vision. Et il est venu comme il était entré. Comment il était entré? Now he came back. Wake up. How did he come in? Il avait battu une femme. He beat up a woman. Il était dans le chemin de la 6e vision. He defeated a woman that was on the way to the 6th vision. En 2016, son nom était Hillary Rodham. Her name was Hillary Rodham. Hillary Rodham. Hillary Rodham. C'est 13 lettres. 13 letters. Avec H-A-M. With the H-A-M. Et quand il revient. And when he comes back. Oh, merci Seigneur. Oh, thank you Lord. Il a battu encore une autre femme. And defeated another woman again. Son nom c'est Kamala Harris. Her name is Kamala Harris. J'ai appelé les Indiens. I called some Indian. Le nom Kamala. The name Kamala. Vient du mot original. Original coming from. Kamala Miko. Kamala Miko. Et les Indiens disent nous on écrit ça avec T. They write it now with a T. Quand on coupe ça. When they cut it. C'est Kamalat. Kamalat. Harris. Harris. Comptez. Count it. 13 lettres. 13 letters again. Et dans le pays d'Apocalypse, c'est 13. And in a book, in a nation of Revelation chapter 13. Oh, Branham, c'est un vrai prophète. Oh, but Branham is a true prophet. Il m'a dit, Zakola. He says, Zakola. Quand tu enseignes ton épouse. When you are teaching the bride. Observez les nombres. Observe the numbers. Les prédicateurs du message ne connaissent pas les nombres. Preachers of the message, they don't know numbers. C'est quoi, il ne peut pas voir ces choses. That's why they don't know these things. Et remarquez, Hillary Rodham. Notice, Hillary Rodham. Et Kamalat Harris. And Kamalat Harris. 13. 13. Même nom. Same name. Même sexe. Same gender. Même parti politique, les démocrates. Same political party of Democrats. Même déception. Same disappointment. Même surprise. Same surprise, glory to même God. Même nombre d'électeurs. Oh. Same number of electors. Acclamons le Seigneur pour ça. Let us applaud the Lord for this. C'est quoi, Tao? What is that, Tao? Oh, je vois les aigles monter. I can see eagles flying already. C'est un atabash. It is an atabash. Parallèle. A parallel. Ce qui a été. Whatever was. C'est ce qui sera. That's what will be. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. There is nothing new on the earth. Parallèle. Parallel.
Un grand amen. A big amen. Comment il était devenu 45e président? How did he become the 47th president? Il a gagné une femme. He defeated a woman. Et c'était une déception. It was a disappointment. Et sa femme c'est Hillary Rodham. The name of the woman Hillary Rodham, 13 letters. Comment il revient comme 47e? How does he come back as the 47th? Il a battu aussi une femme. He defeated again a woman. Kamala Harris. 13 letters. 13 letters. Même déception. Same disappointment. C'est quoi? What is that? C'est un atabache. An atabache. Remarquez. Notice. La Bible cache les mystères. The Bible hides mysteries. Tout ce qui arrive dans ce monde est caché dans la Bible. Whatever that happened in the Bible is hidden. Whatever happened in the world is hidden in the Bible. Vous croyez à ça? Do you believe that? Vous croyez à ça? Do you believe that? Ça c'est pour les aigles. This is not for the ego. Remarquez. Notice. Dans nombre 10. In the number 10. La Bible dit. The Bible says. À Moïse. To Moses. Fabriquer deux trompettes. Make two trumpets. Les trompettes d'argent. The trumpet of money. Two. Deux mandats. Two mandates. L'argent money était l'économie. Was economy. Vous voyez pourquoi lui son cheval de bataille c'est l'économie. You see why his horse of battle is economy. Et dans Juges. And in Judges. Juges c'est le livre des politiciens d'Israël. Judges is the book of politicians of Israel. Est-ce que vous savez ça? Do you know that? Juges c'était les hommes d'État. Judges are actually statesmen. Je vous ai enseigné ça quand Barack Obama était devenu président en 2008. Yes, sir. I told you that Kamala, Barack Obama, when he became a president in 2012. Beaucoup de frères avaient pris ça, ils ont écrit des livres là-dedans. Many brothers took it and wrote books. Oh, l'inspiration est vraie. Oh, the inspiration is true. Je vous ai dit, remarquez, Obama apparaît dans Juges 4:4. I told you, remember, Obama appears in Judges 4:4. Chapitre 4, verset 40. Chapter 4, verse 4. 44. Il était le 44e président. Was the 44th president. Qui était là? Who was there? Barak, fils d'Abinoam. Son of Abinoam. Et lui s'appelle aussi Barak and his Obama. Name is Barak Obama. Dans le nom Abinoam, le nom Obama sort avec il c'est Bin. In the name Abinoam, there is Obama coming out of there with Bin in it. Bin en hébreu, Zakola, Bin Zakola, Joseph Bin Zakola. Bin Alamba. C'est fils de. It's a son of. Oh, combien se souvient de ça? How many remember this? Barak ne travaillait pas seul. Wasn't working alone. Il était avec une femme appelée Deborah. He was working with a woman called Deborah. Et je vous ai montré pourquoi Obama avait nommé Hillary secrétaire d'État. And I showed you why you actually put Hillary secretary of state. Et en ce temps-là, and at that time, il y avait l'ennemi d'Israël. There was the enemy of Israel. Appelé Sisera. That was called Caesar. C'est là où ils l'ont tué. That's where they killed him. Et c'est au temps d'Obama. And it was the time of Obama. Hallelujah. Et Hillary. And Hillary. Le plus grand ennemi des États-Unis. Yes, sir. The greatest enemy of United States. C'était Osama Ben Laden. It was Osama Ben Laden. Il a aussi tué. They also killed him. Quand nous mangeons le livre. Ah, when we eat the book. Nous pouvons prophétiser. We can prophesy again. Je crois que quelqu'un va acclamer. I thought somebody will applaud the Lord. Praise vous voyez? God. You see? Et remarquez dans la salle de crise. Notice now in the hall what they were. Je vous avais amené la photo ici. The crisis room. Quand ils suivaient comment on va tuer Osama. As they were watching when about to kill Osama. Ils étaient 13 personnes. There were 13 people. Et la 13e. And the 13th. C'était Hillary. It was Hillary. 13. Le chiffre de la femme. The number of a woman. Si vous le croyez, dites amen. If you believe it, say amen. Est-ce que vous êtes là? Are you here? Maintenant. Now. Après Obama. After Obama. Celui qui venait, the one that was coming, c'était le 45e. It was the 45th. Après Barak, after Barak, celui qui vient comme juge en Israël, the one that came as a judge in Israel, c'était Gédéon. It was Gideon. Quand est-ce que Gédéon est venu? When did Gideon come? Gédéon est venu au temps où leur économie ne marchait plus. Gideon came in the time when the economy wasn't working. La Bible dit quand il plantait. The Bible says when they're planting. Est-ce que vous êtes spirituel? Are you spiritual? Les Madianites marchent. The Madianites were eating. Et l'ange est apparu à Gédéon. And the angel appeared to Gideon. Vaillant héros. He says, great warrior. Gédéon n'était pas un homme militaire. Gideon was not a military person. Mais Dieu l'a choisi comme ça. But God has chosen him like that. Trump n'était pas un politicien. Trump wasn't a politician. Mais Dieu l'a choisi comme ça. But God has chosen him. Mais remarquez. But notice. Gédéon a choisi 300 personnes. Gideon chose 300 people. Allez lire ça à la maison. Go read it at home. Les trois. Gédéon quand il est venu.
When Gideon came, il a détruit les trucs de Baal. He destroyed the Baal things. On l'appelait Jérubabel. They called him Jerubbabel. Ce qui combat Baal. That fights Baal. Quand Trump est entré au pouvoir, when Trump gets in the power, il a dit nous devons ramener la prière. He says you must bring back power. Il dit je suis contre les homosexuels. He says I'm against homosexual. Il est venu détruire le dieu de Baal là-bas. He came to destroy the god of Baal over there. Les types ne changent pas. Types do not deceive. Il a renversé les Baal. He destroyed the Baal. Et Gédéon en son temps, Gideon in his time, il a appelé Dieu Jéhovah Shalom. He called him Jehovah Shalom. C'est au temps de Trump. Time of Trump, il ne voulait pas la guerre. They don't want war. Il dit je veux la paix avec l'Amérique. He says, I want peace in America. Il est parti raconter le président coréen. He went to meet the Korean je veux president. La paix. I want avec peace. Poutine, je veux la paix. Putin, I want peace. Voyez-vous cela? You see that? Et la Bible dit qu'ils ont eu la paix pendant 40 ans. The Bible says they had peace for 40 years. 40 ans, pendant ça représente aussi 4 ans. 40 years represent also 4 years. Pas de guerre. No war. Dans son premier mandat. In his first mandate. Mais remarquez là où il sort. But notice where it's coming from. C'est 300 guerriers. 300 warriors. La Bible dit ils ont sonné la trompette 2 fois. The Bible says they sounded the trumpet twice. Ils ont sonné ça là dans Juges 7:20. They sounded it in the Judge 7:20. Et dans Juges 7:22. And Judge 7:22. Ils ont sonné encore. And they sounded again. Tu vois, il revient 2 fois. That's why it comes back 2 times. Say big amen. Esaïe 45 aussi. And Isaiah 45 also. Ça parle de lui comme le 45e président Cyrus. Him has the 47th. Quel était le travail de Cyrus? What was Cyrus' job? C'est de remettre Jérusalem à Israël. Is to bring back Jerusalem to Israel. Et de préparer la reconstruction du temple. And to prepare the reconstruction of the temple. Oh my, si vous le croyez, dites un grand amen. If you believe it, say big amen. Un grand amen. A big amen. Et on dit que lui est le Cyrus moderne. And now they say Donald Trump is the current Cyrus. Mais nous avons vu que dans le premier mandat, but we sing in his first mandate, il a reconnu Jérusalem. He only recognized Jerusalem. Mais il est parti. And he left. Où est le préparatif de la reconstruction, Diac? Where is the preparation of reconstruction, Deacon? C'est quoi Dieu le ramène encore? That's why God is bringing him back again. Il vient préparer la reconstruction du troisième temple. He now comes to prepare the reconstruction of the second temple. Tu vois, voyez comment les Juifs ont fêté en Israël? Now you see how the Jewish feasted in Israel. Quand les élections étaient là, when the election was there, les Juifs sont partis dans les murs de lamentation. The Jewish were in the wall of lamentation. Oh Elohim! Oh Elohim! Ramène-nous Trump. Bring us back Trump. C'est lui qui nous aime. He's the one that loves us. Et les élections ici ont été choquantes. And this election was shocking. Personne ne pensait qu'il va revenir. Nobody thought that he would be back. La prière change les circonstances. Prayers change the circumstances. J'attends quelqu'un dire amen. I'm waiting for somebody to say amen. Si Dieu peut exaucer les Juifs, if God can answer the Jewish, alors que les Juifs l'ont rejeté, yet the Jewish has rejected him. Combien toi l'épouse? How much more you the bride? Dieu t'exauce toujours. God will always answer et you. Et l'Esprit du Seigneur m'a oué. And the Spirit of the Lord has anointed me. Je te dis ce matin. To tell you this morning. Que toutes les prières. That's all the prayers que vous aviez fait dans cette that you have made in this church, recevez la réponse. You must receive your answers in the name of Jesus. Dieu exauce les prières. Oh, God answers prayers. Dieu exauce les prières. God answers prayers. Kamala était trop sûre. Kamala was so sure. Mais quand on commençait à proclamer, but when they were stating it, c'était surprise. It was surprise. Pennsylvania, Caroline du Nord, Caroline of the North. C'était surprise. It was a surprise. Le Dieu d'Amen Tabernacle. The God of Amen Tabernacle. Mon Dieu. My God. Qui est votre Dieu. That is your God. Va surprendre les gens à Johannesburg. Will surprise people in Johannesburg. J'aime un Dieu qui surprend. I love a God that surprises. Oh, j'aime ce Dieu. Oh, I love that God. Quand tout le monde dit que c'est fini. When everyone says it's over. Dieu fait faire les surprises. Now God comes and says. Je prononce la bénédiction sur toi. I pronounce the blessing upon you. Dites amen. Say amen. Remarquez. Notice. Il revient pour se préparer. He comes back now. Oh. Why? Remarquez que. Notice that. Dans le premier mandat. In the first mandate. Il a remis Jérusalem à Israël. He brought back Jerusalem to Israel. Exactement comme Cyrus. Exactly like Cyrus.
Il revient dans le deuxième mandat. He comes back in the second mandate. Pour reconstruire les préparatifs. To rebuild the preparatives. Oh, Branham a dit. What is it? Branham said. Les préparatifs de la reconstruction du temple. Preparation of reconstruction of the temple. Se fera par les alliances. Will be done by covenants. Combien peut dire amen? How many can say amen? Les événements modernes. Modern events. Sont rendus clairs. Are made clear. Par la prophétie. By prophecy. C'est pourquoi lui vient. That's why he came. Il a dit quand il était dans le premier mandat, when it was the first il mandate, avait fait les accords d'Abraham. He made an accord of Abraham. Il avait dit aux Arabes, he said to the Arabs et aux Juifs, and the Jewish, soyez ensemble, be together. Vous êtes tous les enfants d'Abraham. You are all the children of Abraham. C'est quoi beaucoup de pays arabes? That's why many Arabic countries avaient eu des relations avec Israël. They had a relationship with Israel. C'est un événement moderne. It's a modern event. Et remarquez encore, notice again, comment il va faire? How is he going to do it? Cyrus avait aidé Israël avec l'argent. Cyrus helped Israel with money. Et lui vient cette fois-ci. And he comes this time. Souvenez-vous, il a gagné pour l'économie. He won for economy. Les gens ont dit nous l'avons voté. People said we voted him. Parce que Kamala n'a pas un projet économique. Because Kamala does not have an economical project. Mais lui dit que je vais faire l'économie du monde. He says I'll make a world economy. Oh, quand il dit économie. Wallace, when he says now economy. Nous revenons dans la prophétie. We come back in the prophecy. Qu'est-ce que Branham a dit? What did Branham say? Il dit remarquez comment ça va se passer. He says notice what's going to happen. Les Juifs ont tout l'argent du monde. The Jewish have all the money of the world. Et l'Église catholique a tout l'or. And the Catholic Church has got all the gold. C'est eux les plus riches du monde. They are the richest in the world. Selon Daniel, according to Daniel, Daniel avait dit, ils feront l'alliance avec ton peuple. Daniel said, they'll make a covenant with these people. Pour faire prospérer les métiers. To make the jobs prosper. Barnaby, les industries. Industries. Les Juifs et les Wall Street et les catholiques auront l'alliance. Jewish and the Wall Street will come together. Cela arrivera dans les accords religieux. They will come into religious agreement. Et il a commencé les accords de toutes les religions. And he started the agreement of all religions. Les accords de toutes les religions nous amènent où dans Apocalypse 13. The covenant of all religions brings us what to Revelation 13. L'image de la bête. The image of the beast. On dira que même si tu es musulman, they will say, even if you're Muslim, Catholic, tous whatever nous prions seulement Dieu. We all pray God. Venez ensemble. Come together. Ils ont déjà commencé les crises islam. They already crossed the crisis islam. Mais Branham dit l'épouse n'entrera pas dans ça. But the prophet says the bride will not enter into that. Dieu ne peut pas nous mélanger avec eux. God cannot mix us with that. Qui peut dire un grand amen? Who can say William Branham dit une confédération des églises. William Branham said a confederation of churches. Ramènera les Juifs au culte dans leur temple. Will bring back the Jewish into the temple. Quand ils auront le culte dans leur temple. When we have the service in the temple. Branham dit ainsi dit le Seigneur. Says, that says the Lord. L'épouse sera déjà partie. The bride will be already gone. Monsieur, sir, quelle heure est-il? What time is it? Regardez les alliances, là on commence. Notice those covenants and agreements are starting. Daniel 8, 25. Daniel 8, 25. Daniel 9, 25. Daniel 9, 25. Ils feront d'alliance pour faire prospérer les métiers. They will make covenant to bring up industry. Pour relever les économies et les pays. Economies et les industries. And industries. William Branham dit. William Branham says, ne manquez pas ceci. William Branham says, l'épouse ne verra pas ça. The bride will not see that. Cette alliance-là, l'épouse sera déjà enlevée. The bride will be already il dit ça dans la première chose 339, 341. 339, 341, he says. Oh, lui commence ça. He says, les catholiques ont l'or. The Catholic has got gold. Et les Juifs ont l'argent. And the Jewish have got money. Les événements modernes. Modern event. Quand j'ai eu la vidéo. I got a video. 13 jours. 13 days after, avant les élections, for election, les cardinaux catholiques des États-Unis avaient invité Kamala et Trump. They invited Kamala and Trump. Kamala a refusé de venir. Kamala refused to go to that. Trump est venu. Trump came. On lui a dit qu'est-ce que tu penses de nous les catholiques? So what do you think of us? Il dit vous êtes des bonnes personnes. He says a good people. Nous devons travailler ensemble. Work together, pour l'argent, for money, et tout. And all. C'est là où les catholiques ont dit que nous tous on va les voter lui. Then the Catholic says we are all going to vote for him. Et nous refusons de voter Kamala. And we not vote for Kamala. Qu'est-ce que Branham avait dit? What did Branham say? Il y aura une alliance. There will be a covenant. Entre le catholicisme, between Catholicism, et les Juifs, and the Jewish. Or les deux. Yet. The two, celui qui est au milieu pour les réunir. Alléluia. The one who is together to unite them. C'est qui? Who's that? C'est Donald Trump. It is Donald Trump. Parce que lui, because him, les Juifs sont ses fanatiques. The Jewish are his fans. Les Juifs l'écoutent. Glory. The Jewish hear him. Oh, mais dites amen. Come on, say amen. Parce qu'il leur a donné Jérusalem. Because he gave them Jerusalem. Et ce qui lui restait, and the only thing left,
C'est de convaincre les catholiques. It was to convince the Catholics. Quand il les a convaincus, now that he convinced nous sommes là dans un mandat où, now we are in a mandate way, petit à petit, step by step, quand ils vont les réunir, when they unite them, madame, les Juifs font tout l'argent du monde. The prophet says, the Jewish have all the money of the world. Ce sont les 13 familles juives. Those are the 13 Jewish countries. Comme les 13 tribus là-bas. Tribes like the one of the tribes. Fed. The one that made Fed. La banque qui détient toutes les banques de Wall Street. The bank that holds all the Wall Street money. Observez ces 13 familles juives. It's 13 Jewish families. Ils ont fondé ça en 1913. They made it in 1913. Et ça accomplit Apocalypse 13. And it's fulfilling Revelation 13. Et c'est pour cela. That's why. On avance. Are we moving forward? Dans cette alliance-là, in this covenant, de l'argent, of money, Trump lui-même est milliardaire. Trump himself is a billionaire. C'est le premier président américain milliardaire par son propre argent. He's the first billionaire of America with his own money. Et il commence à appeler tous les cercles milliardaires de ses amis. He's now calling all his circle of billionaires friends of his. Bezos, elle a suivi. And then they follow him. Bezos followed him. Le plus riche du monde, notre frère sud-africain, the richest of the world, South African, qui a grandi à Pretoria, Elon Musk. That grew up even in Pretoria, Elon Musk. Vous l'avez vu avec Trump dans tous les campagnes. You saw him with Trump in all the campaigns. Les événements modernes, modern events, sont rendus clairs, are made clear par la prophétie. By prophecy. Un grand amen. A big amen. Et ils ont dit que non. They said no. Même si vous ne m'aimez pas, even if you don't love me, voyez Elon Musk est ici. Look at Elon Musk here. Nous allons vous donner des milliards. We'll give you billions. Nous allons arranger l'économie de ce pays. We'll fix the economy of this world. On va donner le travail. We'll give jobs. On va chasser les immigrés. We'll chase out all the immigrants. Nous allons vous donner du travail. We'll give you jobs. C'est quoi ça? What is that? Il rassemble les économies. He gathers all the or, Elon Musk que vous voyez là, Elon Musk that you see, c'est lui le propriétaire de voitures Tesla. Is the owner? Is the CEO of Tesla? Ce sont des voitures sans conducteur. Those are cars without any steering wheels. Et c'est lui le propriétaire de SpaceX, la fusée qui fait aller en Mars. And he is also the CEO of X Space. Oh, les voitures sans conducteur. Yet, cars without steering wheels. Soyez des croyants. Come on, be believers. C'est la quatrième vision de Frère Branham. It's the fourth vision of Brother Branham. J'ai vu la science évoluer. I saw scientists advancing. J'ai vu les voitures sans volant. I saw cars without steering wheels. Sans chauffeur. Without driver. Aujourd'hui. Today. Cette écriture était déjà accomplie. That scripture is already fulfilled. Et celui à qui il dit qu'il veut faire disparaître toutes les voitures de volant. The one who want to make all the cars to disappear of steering wheels. C'est lui, Elon Musk. It's him, Elon Musk. Il est né ici à Pretoria. Born here in Pretoria. C'est lui l'homme le plus riche du monde. The richest man in the world. Quand Trump le prend là, when Trump takes him, il dit que viens ici. He says come here. Il dit tu es un génie. He says you are a genius. Nous devons te garder. We must keep you. Regardez, c'est lui qui veut même faire que nous puissions faire disparaître les cartes bancaires. He wants us even the bank card to disappear. Il fait commencer les puces. He wants us to use the ships. Mes frères, brothers, nous sommes au temps de la fin. We are the end time. Il a dit que les problèmes des passeports, on est fatigué. He says the things of passport, we are tired of passport. On peut maintenant mettre les puces. He says now we are use ships. Partout dans chaque aéroport que in tu arrives. Every airport when you get. Les caméras voient seulement les puces. The camera can only scan you. On va te mettre dans ton corps. And they put it in your body. Tout est sorti là. And every details of you comes out. C'est quoi ces choses là? What are those things? La Bible dit personne ne peut acheter. The Bible says vendre. Nobody can buy or sell. Pour que tu puisses dire personne, for you to be able to say nobody, tu dois contrôler tout le monde. You must be able to control everybody. Ah, Jireli, j'aime tes accords. Oh, Jireli, I love your amen. Avant de dire que personne ne doit sortir entrer, before you say nobody can go in and out, tu dois contrôler tout. You must control everything. Il fait contrôler chacun de nous. You want to control every one of us. Mon frère, si tu n'as pas le Saint-Esprit, brothers, if you don't have the Holy Ghost, qu'est-ce que tu feras? What will you do? C'est la fin des temps. It is the end of time. Et Trump dit, je viens faire la guerre économique. And Trump says, I come to do economic war. Regarde ce qu'il a dit. Look at what he says. Nous décortiquons l'événement. We are already breaking il down a dit, Kamala Harris, je vais vous amener à la troisième guerre mondiale. Kamala Harris want to bring you the third world war. Pas moi. Not me. Moi, I. Je veux la paix avec Poutine. I want peace with Putin. Je veux la paix avec tout le monde. I want peace with everybody. Mais, but, je ferai la guerre économique. I will do economic war. Contre la Chine.
against China. Il doit payer les taxes. They must pay tax. Contre la France et l'Union européenne. Against France and European Union. Il est parti en Allemagne. He went to Germany. Il a dit, depuis que je suis venu ici en Allemagne, said, je ne vois pas les voitures américaines. I don't see American cars. Mais chez nous, il y a trop de Mercedes. But you have a lot of Mercedes. Il dit, c'est pas juste. It's not right. Vous devez payer les taxes. You must pay taxes. Suivez ici. Notice here. Il veut faire la guerre technologique. You want to do a technological war. Oh, Branham dit. Yet Brother Branham says. La fin de chaque nation. The end of each nation. Commence par les crises économiques. That with economical crisis. La guerre économique, economical war, amène la guerre militaire. Brings the military war. William Branham dit, il y a quatre choses. Reconnaître les gens son message. Recognize the devil in his message. La science, science, la religion, religion, la politique, politics, et le conflit militaire. And military conflict. Lui, il amène la guerre économique. He bring economical guerre war. Économique entre les États-Unis et la Chine. War between the United States guerre and China. Technologique entre l'iPhone et Huawei. War, technological war between iPhone and Huawei. Il veut interdire que Huawei ne soit pas vendu aux he États-Unis. Doesn't want Huawei to be sold again in guerre United States. Informatique, les cyberattaques. IT, cyber guerre biologique, bactériologique. Il y a eu déjà Corona là. It has already been there, Corona. Et les États-Unis sont dans les guerres civiles. And United States are in civil war. La fin de chaque nation, il y a la guerre civile the au milieu de. There is always a civil war in the midst. Guerre politique. Political war. L'élection de Trump a mené la guerre politique. Election of Donald Trump political war. Les républicains et les démocrates. Republican and Democrats. Guerre économique contre la Chine. Economical contre war l'Union européenne, l'impôt et les taxes. European and China. Guerre tax. Entre l'iPhone et Huawei. War between iPhone and guerre Huawei. Guerre entre le Facebook et le TikTok des Chinois. War against Facebook and TikTok of Chinese. Je vais interdire TikTok aux États-Unis. He says I will forbid TikTok in the United States. Quand nous voyons ça. When we see that. Nous revenons dans la prophétie. We come back in the prophecy. Monsieur, quelle heure sir, what time is it? Acclamons le Seigneur pour ça. Let's applaud the Lord for that. Voyez-vous là où nous allons? You see where we are going? Remarquez. Notice. Or, dans le message. Yet, in the message. Je vous ai détaillé ça dans la Bible. I've detailed it in the Bible. Combien ont aimé ça? How many love this? Mais dans le message de Branham. Now, in the message of Branham. Qui est l'interprétation de la Bible? Which is the interpretation of the Bible? Donald Trump est né le 14 juin 1946, Israël devient nation. Donald Trump was born the 14th of June 1946 and Israel became a nation. Mon ami Israël nation, c'est la sixième trompette d'Israël. Israel the nation is the sixth trumpet of Israel. Et l'ange a visité Frère Branham. And the angel visited William Branham. Lui donnait la commission. Giving him a commission. Si tu aimais les gens te croire. If you bring people to believe rien ne résistera à sa prière. Nothing will resist the prayer. Branham était la voix du septième ange. And Branham was the voice of the seventh. Septième trompette de l'Église. The seventh trumpet of the church. Il est né le temps où la sixième trompette d'Israël sonne. He was born the time when the sixth. Et Dieu commissionne le septième ange. And God commissioned the seventh. Et son père c'est le Christ Trump. And his father is Christ. Et remarquez que son nom c'est Donald. And notice his name is Donald. Moi je crois le message il n'y a pas d'hasard. I believe in the message there are no chances or luck. Un grand amen. A big amen. Un grand amen. It's a big amen. Remarquez que Frère Branham a cité le nom Donald. Notice. Frère Branham mentioned the name Donald. Dans les bandes enregistrées. In the recorded tapes two times. La première fois 1953. The first time it was in 1953. Il dit au docteur Donald lui. Il est docteur Donald Lee. Qui a reçu le Saint-Esprit? That received the Holy Spirit. Madame lui, le temps de la rédemption est proche. Donald. The time of redemption is close, Donald. Quand Branham dit une chose, when Branham says something, ça a beaucoup d'impact. It has got a lot of impact. Je sais que là vous n'avez pas compris. I know you do not understand right. Quand tu écoutes les bandes, when you listen to the tapes, tu as le cancer. You've got a cancer. Tu attends Branham dire à quelqu'un. You hear what I'm saying to somebody. Toi qui as le cancer. You that have cancer. Lève-toi et accepte ta guérison. Stand up and accept your healing. Cela te concerne aussi. That concerns you also. Un grand amen. Say big amen. Parce que les bandes là iront dans le monde entier. Because those tapes will go all over the world. Comment Branham? How Branham? Il cite Donald. Says il dit le temps de la rédemption. Est proche. The time of redemption is near. Trump. En ce jour-là, quand Branham a dit ça, il avait 7 ans. At that time when Branham said it, he was 7 years old. La deuxième fois que Branham cite le nom Donald. Now, the second time Branham mentioned the name Donald. C'est en 1950. It was in 1959. Une maman est venue. The mother came. Le fils de l'homme se manifestait le discernement. The son of man was manifested the discernment. Tu es ici pas pour toi-même. You're not here for yourself.
Tu es ici pour ton fils Donald. You are here for your son Donald. Elle a un problème de la nervosité. He's got a problem of nerve. Rentre, tu vas le trouver guéri. Go back, you'll find him healed. Et la nana Donald Trump avait 13 ans. And at that time, at that year, Donald Trump was 13 years old. Et Donald Trump a un problème de la nervosité. And Donald Trump has got a problem of short temper. C'est un homme très nerveux. He's a short-tempered man. Il peut t'insulter. He can insult you. Il peut insulter sa femme. He can insult his wife. Très nerveux. Very nervous. Pourquoi 13 ans? Why 13 years? 13. 13. C'est le chiffre des États-Unis. It's the number of United States. Est-ce qu'il y a un hasard dans ça? Is there anything but chance? Je ne pense pas. I don't think so. Et le mot Trump. Number Trump and the name Trump. Vraiment cité ça 34 fois. Brother actually mentioned it 34 times. Or 34. 3 plus 4, c'est 7. It gives you 7. Or 7. 7. C'est l'achèvement. Is achievement. Mission. Mais, but, dans la prédication avant de mourir l'enlèvement, in the preaching before he preaches the sermon the rapture, il cite deux fois. He mentioned it 2 times. Le même mot. The same word. Cela montre deux mandats avant l'enlèvement. It's showing 2 mandates before the rapture. Observe. Observe. Le grand mystère, on va terminer. The great mystery we're going to finish. Le 45e président of the 47th president, battu par le 46e, beaten by the 46th. Vous êtes là? Are you here? Êtes-vous là? Are you here? On va aller terminer. We're going to go close. Il était le 45e président. He was the 45th president. Comme Cyrus Esaïe 45. Like Cyrus Esaïe 45. Il a été battu par le 46e. He was beaten by 46. Qui était Biden? That was Biden. Mais il revient. But he comes back. Comme le 47e. As the 47th. Quel est le mystère qui est? What is the mystery there? Ça c'est pour les aigles. Now, this part is for the eagle. Le mode électoral américain. Electoral world of ils ont electoral ça ways selon of la doing American. Vous votez. They're doing it. Et il y a les grands les électeurs. They are great electors. Les délégués. The delegates. On dit collège électoral. They call it electoral college. Ils ont bâti ça dans Romains 13. They did it along with Romans 13. Ils ont dit que c'est Dieu qui électe. It says it's God that elects. Les présidents et les autorités. President and authorities. C'est l'accomplissement de Proverbes 21:1. It's the fulfillment of Proverbs 21. Les autorités que vous voyez sont instituées that are placed ou élues or elected par Dieu by God pour accomplir les desseins de Dieu to fulfill God's purpose au temps de la fin. At the end time. Donc, toute autorité vient de Dieu. That's why all authority comes from God. Je croyais que quelqu'un va dire amen. Say, surtout pour les États-Unis. Especially for the United States. Chaque président, each president, même si vous votez, even when you vote, le collège le vote, the college vote, mais c'est Dieu qui le met là au travers de vous. But it is God that places them there through you. Pour accomplir quelque chose que Dieu a besoin. To fulfill something that God needs. Pour pousser la rédemption. To push redemption. Si vous avez compris, dites un grand amen. If you understand, big amen. Un grand amen. A big amen. Remarquez que notice that lui him, il est dans Esaïe 45. He's in Isaiah 45. Biden Esaïe 46. Isaiah 46. Et lui revient quand and he comes back Esaïe 46. In Isaiah 47. Observez ça. Esaïe 45. Isaiah 45 parle de Cyrus. Speaks of Cyrus. Changement de système. Change of system. Et 2017, c'est quand il est devenu président. 2017, when he became a president. Et 2017, je vous ai enseigné ça ici. And 2017, I showed c'était you 500 ans. It was 500 years. Depuis la réforme de Luther. Since the reform of Luther. Or 500. Yet 500. C'est une autre dimension. It's another dimension. Comme mon fils Joseph a chanté. Like my son Joseph said. Tu vois, David avait 500 femmes. That's why David had 500. Et une autre dimension. Une autre dimension. Il a changé le système politique. He changed the political system. Il a élevé Israël. He raised Israel. Ne manquez pas ceci. Don't you miss this part. Observez ici, Église. Observe your church. Israël, Dieu agit par les jubilés de 50 ans. Israel, God acted by the jubilee of 50 years. Depuis qu'ils étaient dispersés partout. Since they were scattered all over. C'est en 1917. It is in 1917. Maintenant, il y a la première guerre mondiale qui est le premier alerte. D'abord, demain, c'est l'anniversaire de l'arrêt de ça. Tomorrow is the anniversary. Le général Allenby. General Allenby.
Il a sillonné Jérusalem. He went all over Jerusalem. Les militaires ont crié, Alambi arrive. The military shouted, Alambi is coming. Maintenant, Dieu a changé le nom Alambi à Allah. The prophet says, God changed the name Alambi to Allah. Il a pris Jérusalem. He took over Jerusalem. Il a donné ça aux Juifs. He gave it to the Jewish. C'était une année de jubilé. It was a day of jubilee. 50 ans après. 50 years after. En 1961, Branham prophétise. Il dit Israël est retourné. Mais ils n'ont pas encore pris Jérusalem. Ismaël et Isaac se battent. Branham dit, mais Isaac la prendra. Juste quand on enterre frère Branham, la guerre de 6 jours a éclaté. Le général Moshe Dayan, Moshe veut dire Moïse. Le général Isaac Rabin veut dire Isaac. Et le général Uzi, and General Uzi ont combattu les Arabes. They fought Arabs. Ils ont pris Jérusalem. And they took Jerusalem. Ils entrent dans la porte du lion. And they got into the gate of the lion. Ils ont sonné la trompette. And they sounded the trumpet. Depuis lors, since then, on ne voulait pas reconnaître Jérusalem comme leur capitale. They did not want to recognize Jerusalem as the capital. Ils ont mis leur capitale à Tel Aviv. They put their capital in Tel Aviv. Qui est Jopé de la Bible. Which is Jopé of the Bible. Mais Donald Trump arrive où? But Donald Trump, when he arrives, 50 ans après 67, 50 years after 1967, son nom c'est Trumpet. His name is Trumpet. Il est le 45e président, lui a fait le coin. He's the 47th, made a coin for him. Il a dit, moi je n'ai pas peur du monde. He says, I'm not scared of the world. Il a pris son stylo. Took his pen. Il a signé, voilà ce qu'il a. Signed the... Il dit, à partir d'aujourd'hui, he says, henceforth, je signe comme Cyrus. I sign like Cyrus. Jérusalem devient. Jerusalem become. La capitale d'Israël. The capital city of Israel. Et il a dit que l'ambassade doit quitter. So the embassy must come out. Tel Aviv pour retourner à Jérusalem. Tel Aviv to get back to Jerusalem. C'était quoi? What was that? Un jubilé. A jubilee. Acclamons le Seigneur pour ça. So let's applaud the Lord for that. Observez. Observe. Remarquez. Notice. Le nom Trump. The word Trump. Voilà, mais une trompette signifie aussi trouble. The trumpet also means trouble. Dites un grand amen. Il termine son mandat avec les troubles. He finishes his mandate with trouble. Il a dit, on m'a volé l'élection. He says, they've crooked me, they've cheated on me. Depuis que les États-Unis existent. Since the United States began. La première fois, un président envoie ses gens. The first time a president sends his people. D'aller bloquer les gens au Capitole. To go and block people in the Capitol. Aller taper les sénateurs. Beat the senators. Oh! Yet, son nom c'est Trump. His name is Trump. Trump veut dire aussi trouble. Trump also means trouble. Remarquez ce qui était étonnant, vous n'avez pas vu ça. Notice what was astonishing, you never noticed it. Il y a eu l'un de ses supporters. One of his supporters. Il s'est habillé comme ça, torse nu. He dressed like this, naked. Il a pris deux cordes. He took two horns. Il a mis ça sur sa tête. He put it on his head. Avec le drapeau américain. With American flag. Les événements modernes. Modern events. S'il y a des gens spirituels, vous avez des événements. If there are spiritual people, you have already seen it. Il a un drapeau à 13. He's got a flag of 13. C'est dans Apocalypse 13. In Revelation 13. On dit les États-Unis, c'est un agneau à deux corps. The United States is a lamb with two horns. C'est Dieu qui nous montrait quelque chose. It's God showing us something. Ce pays arrive à la fin. That this country is getting toward its end. Qui peut dire un grand amen? Who can say a big amen? Un grand amen. Say a big amen. Acclamons le Seigneur pour ça. Let us applaud the Lord for that. Et il a terminé son 45e présidence. He finishes 45th comme le président des États-Unis, comme sur. Has Cyrus. Remarquez. Notice. Nous arrivons à la fin. We are going toward the end. Oh! Yes. Celui qui devient le 46e président. You want to become the 46th president. Quand vous voyez Isaïe 46, when you see Isaiah 46, on dit Babylone est élu. They say Babylon is risen. Or Babylone, it's Babylon. La grande, the great, c'est l'église catholique romaine. It's the Roman Catholic Church. Dites amen. Say big amen. C'est la vérité. Is that the truth? La Bible est merveilleuse. Bible is wonderful. Branham avait dit quoi? Branham says what? Nous avons eu un président catholique. We have had a Catholic president. Kennedy. Kennedy. Babylon. Babylon. Jezabel. Jezabel. Nous en aurons. He says, we will have another. Another. Il y a eu élection. Election. Biden. Biden. Est devenu président. Became a president.
Et dans son ticket, and in his ticket, il a une vice-présidente femme. And he has got a vice president, a woman. Pour la première fois, for the first time, alléluia, hallelujah, une femme, a woman, monte, rises, elle devient, and becomes vice president. Revenons à la prophétie. Let us come back to the prophecy. Qu'est-ce qui était la sixième vision? What was the sixth vision? J'ai vu une femme. It's a woman. Serait soit l'Église catholique, either the Catholic Church, soit président, or a vice-president, soit vice-président, or vice-president. I saw her. Je l'ai vu. Elle était habillée en violet. She was dressed in purple. Dans 70e semaine. And in the 70th week, il dit ce serait une déesse. Says it will be a goddess. Un grand man. A big amen. Il dit encore. He says again. La femme dans notre monnaie, de coin, c'est une femme indienne. An Indian woman. C'est la sixième vision encore. That's the sixth vision again. Dans sa double portion. In its double portion. Parce que le fait du message, c'est brothers of the message we're fighting. And I said, no, it's only Catholic. And I said, physique seulement. No, it's only physics. Mais un docteur, but a teacher, doit réunir les écritures, must unite the scriptures. Pour une seule prophétie peut avoir double application. The prophet says, a prophecy can have a double application, multiple application. 2020 là. 2020, jusqu'à pendant que je prêche, speaking, nous sommes là sous l'influence de la sixième vision. We are under the influence of the sixth vision. Une femme catholique, a Catholic woman, par le président Biden, by the President Biden, dit amen. Say amen. Il a juré dans une Bible catholique. He saw in a Catholic avec government, une femme physique, with a physical woman, vice-président, vice president. Et le nom Kamala, c'est le nom d'une déesse indienne. Kamala is the name of a goddess, an Indian goddess. Remarquez, son père est africain. Notice, the father is an African. Sa mère est indienne. And the mother is an Indian. Ça vous dit quelque chose? Does it say something to you? Il n'y a pas d'hasard. There are no hazards. Madame, la fin viendra quand la parole arrivera aux extrémités de la terre. The prophet says the end will come when the world will get to the extremity, the end of the world. Oh, frère Raja, merci. Oh, brother Raja, God bless you. J'aime les gens qui me voient quand ils comprennent. I love people that anoint me when they understand. Les extrémités de la terre. The end of the world. Madame, c'est l'end de l'Afrique. The prophet says it's Indian Africa. So why the first president c'est là? That's why a first president rises. Et son père est africain. The father is African. Sa mère est indienne. The mother is an Indian. Mais c'est quelle heure est-il? So what time is c'est it? C'est la fin. It is the end. Et elle est habillée en violet. She's dressed in purple. Oh, laissez-moi dire quelque chose. Allow me to say something. Les yeux prophétiques. The prophetical eye. L'avait vu en 1933. So it in 1933. Nous n'étions pas nés. We were not born. Mais je vais dire quelque chose. But I'm going to say something. Mes yeux physiques. My physical eyes. A vu la même chose. So there's something. Que les yeux prophétiques avaient that vu. That the prophetical eyes saw. Et je peux dire comme un Simon. And I can say like Simon. Oh. Oh my. Président Biden. President Biden. Tu es la sixième vision. You are the sixth vision. Le deuxième président catholique. The second Catholic president. Kamala. Kamala. Tu es la sixième vision. You are the sixth vision. Vice-président. Vice president. Brenham m'avait dit. Brenham told me. Toi les young people. Oh, you young people. Notez cela. Write this down. Si cela n'arrive pas, if that doesn't come to pass, je suis un faux prophète. I'm a false prophet. Un grand hommage. A great tribute. Au prophète de Dieu. To the prophet of God. Tu es le vrai prophète. You are the true prophet. Comme le chef des young you people. You are the chief of young people. Mais j'ai vu ça. My eyes have seen it. Je croyais qu'on peut acclamer le Seigneur. I thought you the blood of the Lord. Parce que l'onction. Because anointing et la vraie délivrance is a true deliverance. Ce n'est pas de prier. It's not to pray. C'est de voir. It's to see la prophétie accomplie. Prophecy coming to pass. Dans votre temps. In your time. Tu peux dire comme Simeon. You can say like Simon. Laisse-moi me reposer en paix. Let me go rest in peace. Le monde n'ont pas vu. The world did not see. La Odyssée est aveugle. La Odyssée is blind. Mais vous l'épouse. But you the bride. Vous l'avez vu. You have seen it. Sarah, pourquoi vous avez vu ça? Sarah, why did you see it? C'était en 2020. What was it 2020? Qu'est-ce que signifie 2020? What is the meaning of 2020? Full vision. Full vision. 20 sur 20. Glory 2020. Ayant ce ministère. Having this ministry. Nous ne perdons jamais. We shall never. Jamais. Never. Courage. Lose courage. Je vais dire quelque chose? Can I say something? Les mêmes yeux prophétiques. The same prophetic eye.
avait vie. So, une deuxième présidente catholique. The second Catholic president. Et une vice-présidente. And a vice president. Si cela accomplit, if that will come to pass, les mêmes yeux prophétiques. Some prophetic eye. Quand on dit dans l'Odyssée, même si c'est mauvais. But in Odyssey, even if it's bad. J'ai vu une épouse. I saw a bride. Qui sortira. Coming out. Quand on dit mes yeux ont vu cette vision. The prophet says, my eyes saw this vision. Je les ai vus. I saw her. En train de défiler. They were marching. En avant soldats chrétiens. Moving as a Christian soldier. Ils regardaient au pasteur. They were looking at the pastor. Ils regardaient à leur église. They were looking at churches. Ils regardaient à Jésus. When they looked at Jesus. Ils regardaient où? They were looking at who? À Frère Branham. Brother Branham. Il dit, je les ai vus. They said, I saw them. Mais quand ils sont passés. But as they passed. Les autres commençaient à défiler. Others were coming out of the way. Et j'ai crié. And I shouted. Rentrez dans la ligne. Come back in the line. Rentre dans la ligne. Come back in the line. Hallelujah. Hallelujah. Branham nous a vu. Brother Branham saw us. Ici dans cette église. Here in this church. Nous ne quitterons jamais. We will never leave Branham. On restera ce que Frère Branham. We will stay with what Branham said. Tu seras enlevé. You will be raptured. Branham est avec vous. Brother Branham saw you. Branham a vu Kamala. Brother Branham saw Kamala. Il m'a vu aussi. He saw me also. Dites amen. Say amen. Il a vu la dernière dynamo. He saw the last dynamo. Je me suis retourné. I turned. J'ai vu une nouvelle réunion. I saw a new meeting. Des jeunes gens beaux. And your beautiful avec des jeunes filles belles. With beautiful young women. Louant Dieu. Praising God. Ils avaient leur main levée. They had their hands raised up. Parce qu'ils sont comme ça. Not like this. Quand je les ai vus. When I saw them. J'ai entendu quelque and chose. And I heard something. Qui avançait. That was moving forward. Comme une dynamo. Like a dynamo. Qui tourne. That was turning. Nous sommes la dernière we dynamo. We are the last dynamo. Madame t'avait vu. Branham saw you. Il a aussi vu. He saw also que tu te leveras. That you'll rise. Avec beaucoup d'argent. With a lot of money. J'ai vu la reine du sud. So I saw the queen of the south. Il se levera. Rails. Avec beaucoup de richesses. With a lot of wealth. Dites amen. Say amen. Recevez des millions. Receive millions. Qu'est-ce que je vais dire? What am I trying to say? Quand tu vois Kamala. When you see Kamala. Quand tu vois Biden. When you see Biden. Tu dis Seigneur. You say Lord. Il n'a pas seulement vu eux. You never only saw them. Il m'a aussi vu. He saw me too. Alors je dois arriver dans la position. Then I must get to the position. Où il m'a vu. Where he saw me. Dis amen. Say amen. Glory, glory, glory. He saw us. C'était la paix. It was peace. Ce n'était pas des maladies. It wasn't sicknesses. Mais Branham ne t'a pas vu mater les boîtes. Branham never saw you crippled. Branham t'a vu debout. God saw you standing. Branham saw you standing. Mama Meda, Branham t'avait vu debout. God, Mama Meda, Branham saw you standing up. Avec tes deux mains levées. Put your hands up. Aucune maladie ne peut nous détruire. There are no sickness that can destroy us. Le diable viendra. The devil will come. Mais quand on va le monter la prophétie. But when we show the prophecy. Il fuira loin. He shall run away from our past. Dites amen. Say amen. Glory, 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 glory. Let us give a hand of praise to the Lord. Oh, merci Seigneur. Oh, thank you Lord. Oh. Remarque. Notice. Le 45e président. The 45th president. Cyrus. Cyrus. Était battu par une femme. Was beaten by a woman. Selon l'histoire. According to history. La femme qui avait battu Cyrus était avec son ami qui était roi. Cyrus pensait que c'est une petite guerre. Cyrus thought it was a small mais la femme là l'avait battu. But the woman beat cette her. Femme là s'appelait Tamaris. The woman's name was Tamaris. Dans son nom il y a le nom Arus. In her name there is Arus. C'est quoi dans ce ticket ici? That's why in this one here, Biden comme étant la femme catholique. Biden has a Catholic woman. Kamala comme étant Tamaris. Kamala ils ont woman. Battu Biden. They beat up Biden. Pour accomplir la sixième vie. Dieu ne voulait pas que la fin arrive. God did not want the end to come. Il suspend le travail de suspend the work. Que la sixième vision soit projetée. So qui peut dire un grand menace? Biden catholique 13. Biden catholic 13. Harris 13. Harris 13. Remarquez le nom Kamala. Notice the name Kamala. Son vrai nom c'est Kamalatmika. The real name is Kamalatmika. C'est 11 lettres. 11 lettres. C'est pour montrer le pour les 11e. Shows the bride of the 11th hour. Les Indiens écrivent ça Kamalat Harris. Kamalat Harris. 13 lettres. 13 lettres. La femme. A woman. Aux États-Unis 13. In the United States 13. Kamala. Kamala. Si va changer. C'est le nom d'une déesse indienne. The name of a Indian goddess. Madame avait dit que ce serait une déesse. It should be a goddess. Aujourd'hui, today, la sixième vision est accomplie.
This exclusion came to pass. Acclamons le Seigneur pour ça. Can I support the Lord for that? Maintenant, now, Trump, comme Cyrus, il a fait 4 ans. Spent 4 years. Il a signé les accords d'Israël. Jérusalem, septembre. Et remarqué après lui, 2020, voyez-vous cette femme que Frère Branham habillée en violet, vice-présidente, vice-président, et avec Biden, Biden, l'église catholique. Tous les deux sont accomplis là. Everything et Kamala Harris, c'est 17 lettres. 17 letters. C'est la visitation. A visitation. Et elle est une métisse. And she's colored. Kalati, a colored mélange de noir et indien. A mixture of black and Indian. Madame dit le cheval pâle d'Apocalypse 4. The pale horse, Revelation chapter 4. C'est le cheval métissé. It was a colored. Pour le quatrième saut. For the fourth seal. Le saut d'Apocalypse 13. The seal of Revelation 13. L'Inde de l'Afrique, les deux tempérés de la terre. Ancient Africa, the une femme est présidente. A president vice-présidente. Woman, vice-présidente. Madame dit avant la fin des temps. The prophet says before the end of time. Et remarquez si vous écrivez son nom comme les Américains l'écrivent. Kamala, Silet, Harris, Silet. Il est venu là 60 ans après que Branham avait péché dès ce moment-là. 660. Les fausses révélations, les fausses actions. False revelation and false anointing. Kamala Harris. Après 2020-2024. 2020-2024. C'est quoi dans la maison? For Biden. For Biden took it. Remarquez lui-même Kamala Harris. Notice Kamala Harris. Elle le 20. She was born October 1964. October 1964. Si nous écrivons comme les anglophones, when you write like 20, 20, 1964, 1 plus 1 plus 6 plus 4, 20 sur 20. Dieu savait même qu'il viendra en 2020. God knew that you come. Et nous aurons le full vision. Le full vision. Il est le colisteur. She's the colisteur. Le vice-président. Elle a été présentée comme vice-président le 12-8-2020. She was presented. 12 plus 8, c'est 20. 12 plus 8 is 20. Voyez le 20, c'est 20. You see 2020. Donc après, yes, after elle, c'est la fin des it's temps. The end of d'après William Branham. According to William Branham. Branham a dit quoi? What did Branham say? Cette femme-là viendra. That woman shall come. Avant la fin des temps. Before the end of donc, time. Donc quand elle était la 49e vice-présidente. The 49th vice president. 1 plus 4, c'est 13. 4 plus première 9 femme vice-présidente. First. D'après 13. Woman to sous la présidente de Biden. Now, under the Biden, presidency, 46e président. 46th president. 4 plus 6, c'est 10. 4 plus 6 is 10. 10, c'est l'accomplissement de la promesse pour une église. 10 is the fulfillment of a promise for a church. Nous avons vu. And we saw it. Tu vois, il y a eu la propagande de ces that's élections. Why, the propaganda of the election. Je vais aller à la fin. I'm going to quand il y a eu la propagande de ce mandat, when there was the propaganda of that, 2024, l'année du trône, 2024, the year of the throne, Trump a eu un attentat. Trump had an attempt. On voulait le tuer. I wanted to kill him. Alors, then, ne manquez pas ceci. Don't miss this. Une balle est passée à l'oreille. There was a shot that was a cross of a bullet in the ear. Et le sang est sorti ici dans ce. And the blood shed. C'est un signe. It's a sign. Je vais te dire quelque chose. Let me tell you something. Si Dieu a affaire avec, if God has something to do with you, même si le monde veut te tuer, even if the world wants to kill you, rien n'est arrivé. Nothing will happen to you. Est-ce que c'est la vérité? Is it the truth? Tuer quelqu'un, c'est tuer son influence. Killing somebody is to kill his influence. Il a échappé à deux attentats. He missed two attempts. Pourquoi? Why? C'est une trompette. It's a trumpet. Vous avez tenté à même deux fois, 2009-2021, deux attentats. 2009-2021, two attempts. Quand vous voyez un homme après deux attentats, il ne meurt pas toujours. When you see a man with two attempts, but still he doesn't die. Sachez que lui aussi c'est une trompette. Know that is also a trumpet. Je condamne ce matin. I condemn this morning. Tous les sorciers de ta vie n'auront rien à faire. All the witches of your life will have nothing to do. Rien de mal t'arrivera. Nothing bad will ever happen to you. Mon frère, my brother, le vrai tueur, the true shooter, bam, shot it. Mais Dieu amène ça. C'est lui notre protection. Il est un protecteur. Si vous voyez quelqu'un que vous le combattez, if you see someone vous like le combattez, fighting, à coup fakate, he doesn't die. Laissez-lui. Leave him. C'est un trompe. He is a trump. C'est une trompette. He is a trumpet. Qui peut dire un grand amen? Who can say big amen? Oh, j'aime ça. I love this. Mais remarquez. But notice. Pourquoi dans son oreille? Why on his ear? Les événements modernes. Modern events. Sont rendus clairs par la prophétie. I made clear by prophecy. Dieu avait dit à Moïse.
God said to Moses, tu prendras les gouttelettes de sang. You take the drop of the blood. Tu mettras ça ici à l'oreille d'Aaron. You put it in the ear of Aaron. Parce que c'est lui qui va sonner la trompette. Because the one that will sound the trumpet. Parce que la trompette c'est aussi le sang. Hallelujah. Because the trumpet is also the blood. Quand tu écoutes la trompette, tu écoutes le sang. Wow, praise God. When you hear the trumpet, you hear the blood. C'est dans Exode 22. It's in Exodus 21:6 and Exodus 29:20. Pourquoi à l'oreille? Why in the ear? Tu avais dit aussi. God said also. Quand vous sonnerez la trompette. When you shall sound the trumpet. Pour le jubilé. For the jubilee. Si ne fait pas sortir. If the door not come out. Amenez-lui. Take him. Faites-lui un pinceau. Put a ear. Le sang sort un peu dans son oreille. There is a little bit of blood. Tu le marques. And you mark him. Il est marqué de la bête. And it's marked of the beast. C'est un signe. It's a sign. Que trompe. The trump. C'est une trompette. It's a trumpet. Et le monde n'écoutera pas. And the world will not hear. Ils seront marqués de la bête. They will be marked with the beast. Acclamons le Seigneur pour ça. Let's applaud the Lord for that. C'est quoi il est? Il, tu vois? Oh trump. Oh trump. Quand il est sorti là, when he came il a mis la main comme ça. He put his hand like this. Tous ces sont des symboles. These are all symbols. Il a mis la main de victoire. He put the hand of victory. Après les attentats, c'est la victoire. After the attempt, it's victory. La victoire est ici, amen. The victory is here, amen. La victoire dans vos maisons. The victory in your houses. Qui peut dire un grand amen? Who can say a big amen? Remarquez. Notice. Ne manquez pas ceci. Don't you miss this? Remarquez, on arrive à la fin. Notice, you're going to le 45e revient comme le 47e. The 45th come back as the 47th. C'est quoi les 6? That's what the 6. De ce mois, le mercredi. Of this month. 11e mois 2020. Il revient sur son trône. He comes back on his throne. Le trône qu'il avait perdu. The throne that he missed. Il revient. He comes back. Et dans Ésaïe 47, and in Isaiah 47, on dit Babylone perd son trône dans l'année du trône. And they said Babylon loses his throne in the year of the throne. Amen. Tabernacle, revenez dans votre trône. Amen. Tabernacle, come back to your throne. Qui peut dire un grand amen? Who will say big amen? Qu'est-ce qu'il est venu faire? What is there come il to est venu terminer la deuxième partie de Cyrus. He came to finish the second part of Cyrus. Par les préparatifs de la reconstruction du troisième temple. By the preparation of the reconstruction of the second temple. Soit Israël a fêté ça. Of the third temple, that's what Israel il va pousser la reconstruction du troisième temple. He will push the reconstruction of the third temple. Par les alliances économiques. By the economical covenant. Et faire la guerre économique contre la Chine. And to do those soit avec son mouvement MAGA. With his movement MAGA. 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 Make America great again. Make America great again. Make America great again. Make America great again. Avec ça là, that, nous aussi comme des trompettes. We also the trumpets. Let us make Amen Tabernacle great again. Faisons Amen Tabernacle grand encore. Qui peut dire amen? Who can say amen? Oui, ça arrivera. Yes, it will happen. Il va lever aussi la Russie. You also raise. Il a dit je vais appeler Poutine. C'est encore Poutine. Nous allons causer. We'll talk. Il va amener la paix avec les rois du nord. You bring peace with the king of the north. Oh, la Bible dit. Yet, the Bible says. Quand ils iront paix et sûreté. When they say peace, suddenly. Une ruine soudain. A sudden ruin. Il dit, je vais terminer la guerre de Hamas avec he Israël. Says, I'll finish the war of Hamas in Israel. Et remarquez, quand il revient notice, là, when he comes back, qu'est-ce qu'il a occupé? What did he do? Il a occupé 45e président. He took now the 45th president. Dites amen. Et 47e. 47. Ça fait 92. 92 c'est 11. 92 c'est 11. Sa vie c'est un grand signe. His life is a great sign. Pour les ouvriers de la 11e. For the workers of the 11th hour. Et il est 11e depuis Kennedy dans and le 47e. 11th, Kennedy, the 13e depuis Kennedy. 13th since Kennedy. Pour le 47e. For the 47. Apocalypse 13. Revelation 13. L'économie qui fait élever. The economy personne ne peut acheter ni vendre. Nobody can be able c'est to l'économie buy mondiale. It's a world economy. Et vous voyez là 11 plus 13. And you see the 11 c'est 24. 24. C'est pourquoi il vient dans l'année 24. That's pour the récupérer son trône. Trône. Or l'année yet, 24, the year 24, c'est l'année de trône. Is the year of the throne. Tout est parfait. Everything is perfect. Tout est mathématique. Everything is mathematic. Comment peut dire amen à ça? We can say amen. C'est pourquoi Frère Branham avait dit dans ce moment-là. That the prophet says from that time. William Branham dit before end time. The prophet says before the end time, avant la fin du temps. A woman will be vice president. Une femme sera vice président. Quand nous voyons ça, when we see that, quand vous voyez Kamala Harris et Biden, when we see Kamala Harris coming out of the scene, nous commençons les événements finaux. We are now starting the event of the end. But I mean, I see her. The prophet says, je l'ai vu. Et nous en 2020, nous l'avons. And us in 2020, we saw her. Voyez-vous là où nous sommes? You see where we are? C'est-à-dire après ces élections. Meaning after this election.
Donc Biden et Kamala Harris sont accomplis la sixième vision. Biden and Kamala Harris fulfilled the sixth vision. Alors, therefore, it will be the end of the time. Ce sera la fin du temps. Or, c'est là, or la fin des temps. Ne marquez pas ça. End of time, don't miss this. Quand nous voyons la sixième vision, when we see the sixth vision, l'Église catholique par Biden, the Catholic Church by Biden, un grand man, and a woman, un grand man, a big man, vice-président physique Kamala, first president physical woman. Où est-ce que nous allons? Where are we going? À la septième vision. Toward the seventh vision. Je me suis retourné. Mom says I turned. Je n'ai vu que des combats. I only saw ashes. La septième vision, c'est la troisième guerre mondiale. The seventh vision is the third world war. C'est la Russie qui bombardera. It is the Russia that will explode. Le Vatican et les États-Unis. Vatican and the United States. Ce serait la fin. It will be the end. Or entre la septième. Now between the seventh et la sixième. And the sixth vision. Il faut qu'il y ait l'enlèvement. The rapture must take place. L'épouse ne passe pas par la tribulation. The bride does not go through the tribulation. Ne manquez pas ceci. Don't you miss this part? Oh, qu'est-ce qui amène l'enlèvement? What brings the rapture? Premièrement, le changement des corps. First is the change of the body. Le changement des corps. The change of the bodies. Vient par le mystère de la translation de 1 Corinthiens 15, 50. Comes by the translation of the 1 Corinthians 15, 52. Et de 1 Thessaloniciens 4, 7. And 1 Thessaloniciens 4, 7. The last trump. La dernière trompette. Qui doit nous changer? That must change us. Parmi les changements, là commence par la vraie nouvelle naissance. Bible says that change starts from the new birth. Ou ta théophanie. Or your theophany. Te donne un corps glorifié. Gives you a glorified body. C'est pourquoi. That's why. Dans les deux écritures là. In the two scriptures. Dieu a mis le nom de Trump. God put the name of William Trump. Branham l'a cité Donald Defoe. Dans l'enlèvement, il a cité Defoe pour les demandes. For the rapture, in the seventh et rapture, William Branham a parlé de toute sa prédication de 465, 34 fois de 30. He spoke 34 times in his preaching. 34, c'est 3 plus 4, 7. He preached il était le quatrième Élie. He was the fourth Elijah. Qui prononça 34 fois 7. 4 et 7. 4 and 7. Nous sommes arrivés au 47e président. We got to the 47th president. Trump. Comme Cyrus le 45. And Cyrus the 45th. Il y a 117. Alambi a donné Israël. 67, Alain, ils ont pris Jérusalem. 2017, Israel, il a essayé de signer la Jérusalem comme capitale 500 ans depuis l'Éther, une autre dimension. He tried to sign the treaty now. 500 years since 1517, another dimension. Or, Jérusalem comme capitale. Jerusalem as a capital. Il a signé ça quand il était dans les 45e président des États-Unis. He signed while he was the 45th president. Voilà, c'est un nombre parfait. Il doit revenir à 7. It's a perfect number. Yes. Pour l'enlèvement. An imperfect number. 4 ans ne sont pas suffisants pour lui. He is to come back. 4 years. Dieu a stoppé ça. That's why God stopped it. Ne manquez pas ceci. Don't au milieu, in the middle, il accomplit Biden et Kamala la 6e vision. Biden and Kamala, the sixth vision. Et il revient de ce côté. And he comes back il here. A fait exactement comme la 70e semaine de Daniel. He did exactly like the 70th week of Daniel. Jésus devait prêcher 7 ans. Jesus had to preach 7 years. Mais il a prêché 3 ans et demi. But he preached 3 years and a half. Dieu a stoppé ça. God stopped it. Pour laisser l'église les 7 ans. To let the church the 7 years. Et après que l'église part. And after the church goes. Est-ce que vous me suivez? Are you following me? Élie et Moïse vient. Elijah and Moses come. 3 ans et demi. 3 years and a half. Pour finir le travail. To finish up the job. C'est ce que Dieu a fait. That's what God did. Parce que 46. Because 46, qui est au milieu, which is in the middle, c'est 10, l'accomplissement de la sixième vision pour l'église spirituelle et physique. To fulfill the sixth vision for the church, spiritual and the physical. C'est pourquoi Cyrus était défait par Tamaris. That's why Cyrus was defeated by Tamaris. C'est pourquoi il devait être vaincu par Kamala Harris. And he had to overcome by Kamala Harris. Et il revient pour les 4 ans. He comes back for the 4 years. Quand il revient là, when he comes back, dans l'année 24, l'année des trônes, the year il vient 1. The year of throne. First of all, he comes back. Terminé comme Cyrus. He finishes like the Cyrus. Pousser la reconstruction du troisième temple. To push for the third reconstruction of the third temple. Secondly, pousser l'économie mondiale. To push the world economy. Par les alliances économiques. By the covenant of dont Daniel a parlé. Les catholiques avec les juifs. Catholic with the Jewish. Paix d'Abraham avec les Arabes. Peace Abraham. C'est quoi Elon Musk, vous voyez? That's why Elon Musk. C'est quoi il nous a donné un signe. Branham dit que le monde va arriver là-bas par la science. The world will get there by science. Il amène un scientifique ici de nom he Elon Musk. A scientific by the name Elon Musk. Il est né ici à Pretoria. Born in Pretoria. Il est un génie. He's a genius. Il est le plus riche du monde. Of the world. Son argent s'il enlève aux États-Unis, les États-Unis tombent.
If he takes all his money out of the United States will fall. Et lui, il ne fait que fabriquer les voitures sans conducteur. He is making cars without any driver. Et il dit que nous devons aller à Mars avec les fusées. And he says we must go to Mars with the rockets. SpaceX là. SpaceX. Quand nous voyons l'association des hommes de science, when we see an association of science, qui a été l'accomplissement de la quatrième vision de Frère which Branham, is the fulfillment of the fourth vision for ils Branham, sont maintenant ensemble. They are not together. Pour les économies, for the economy, c'est la fin des temps. It's the end of time. Et il va élever la Russie pour les pousser au bombardement. To push them to explosion. Observons l'Église. Let observe church. Ces 4 ans qui vont venir, the 4 years that are coming, surveillons cela. Let observe it. Quelque chose va arriver. Something will happen. Parce que Trump, because Trump, 8 ans était stoppé, divisé par 4 ans, 4 ans, divided by 4, comme 4, Jésus avait divisé 3 ans et demi, 3 ans et demi. Jesus was divided by 4. Et au milieu, il y a eu 7 ans de l'Église. In the middle, there was 7 C'est pour cela, Trump. That's what Trump vient battre encore la femme. Come to challenge, defeat again a woman. Il a battu comme il avait battu la première femme. Defeated as the comme une revanche. As a revenge. Parce qu'en 2016, because it's 2016, il avait battu Hillary Rotar. Challenged also 13. 8 ans après. 8 years after. Après qu'il a été battu, 4 ans après qu'il a été battu. 4 years after. La femme Clinton, catholique Biden. But the Catholic woman. Et la vice-présidente, and the vice president, la femme sixième vision, les deux sixième vision, the two sixth vision, il revient encore. He comes back again. Il a battu la femme Kamala Harris et Biden. He defeated Kamala Harris and Biden. C'est une revanche. It's a revenge. Parce que because la seule chose qui battra cette église catholique, only thing that will beat up this Catholic church, c'est la trompette de 1 Corinthiens. Is the trumpet of 1 Corinthians. Et de 1 Corinthiens 104. Qui va changer de corps. Which will qui fera la revanche. That will avenge. Je sais que l'église catholique avait tué les saints au cours des ans. What the Catholic church did by killing all the saints along the ages. Voilà votre trompe. There is your trump. Nous devons faire. What are we supposed to do? Jouez-moi les pianos, nous sommes à la fin. Play the keyboard, we are the end. Dans tout cela, in all that, comme conclusion, as conclusion, quand nous voyons, when we see, je m'arrête. I'm gonna stop. Si vous avez tous compris, acclamez le Seigneur. If you have all understood, applaud the Lord. Très fort. Now, very much. Quand nous voyons ça, when we see that, le 45e, the 45th. Revenu comme le 47e sur son trône pour un deuxième mandat. Son nom c'est Trump, name is Trump pour finir sa mission. To finish his mission. Alors nous second, aussi, we also, nous avions eu le premier mandat. We had the first mandat. Trump par William Branham. Au jour de la voix du septième ange. The day of the voice of the seventh angel. Branham a sonné la trompette. Branham sounded the trumpet. C'est la trompette qui nous change. It's the trumpet that changes. C'est us. Ce message. It's this message. C'est 1 Corinthiens 15, 52. It's 1 Corinthiens. C'est 1 Thessaloniciens 4, 16. C'est Apocalypse 10, 7. It's Revelation 10, 7. Et Dieu nous a laissé le temps. And God gave us time. Quand nous voyons ceci arriver, when we see this happen, maintenant, now, nous sommes dans le deuxième mandat de l'Église. We are in the second mandate of the bride. La même trompette, the same trumpet que Branham avait sonné, Branham sounded. C'est nous qui le sonnons aujourd'hui. It's us that's sounding it now. C'est toi la trompette. You are the trumpet. Le monde a besoin de t'écouter. The world needs to hear you. C'est toi le vrai trump. You are the true trump. Nous devons construire. We must build. Alléluia. Hallelujah. Nous devons construire. We must build. La nouvelle Jérusalem. The new Jerusalem. Qui est l'épouse. Which is the bride. Et construire le temple. And building the temple. Quel temple? Which temple? La statue d'un homme est parfaite. The statue of a perfect man. Et puis la foi, faith, la vertu, virtue, la connaissance, la tempérance, la patience, patience, la piété, l'affection fraternelle, brotherly et la pierre de fait. And the capstone. Devenant le temple. We become the temple. Pour l'enlève. For the rapture. C'est toi le trompette. You are the trumpet. C'est toi le deuxième mandat. You are the second mandat. Recevez ton mandat. Receive your mandate. Soyez prospère. Be prosperous. Voici behold votre inspiration. Your inspiration. Que Dieu vous bénisse. May God bless you.